Greetings, Agent. Welcome to Overwatch.
Greetings, Agent. Welcome to Overwatch. Et bonsoir, bienvenue pour la troisième édition du tournoi Overwatch NetGamer. Nous allons commencer rapidement. Alors, quelques petites particularités pour cette édition. Vous allez changer, Void restera toujours commenté, bien évidemment, mais vous allez changer de commentateur entre chaque match, hein, puisque la faute a un manque de moyens humains. Ce seront les joueurs eux-mêmes qui viendront commenter les parties qui ne joueront pas. Voilà, et moi donc je reste là, et j'ai besoin de support parce que, comme je fais le stream également, je risque de bugger un petit peu. On commence tout de suite avec, de mémoire, l'équipe 1 contre l'équipe 2 sur Noombami. Et assez rapidement, là, nous avons les équipes qui commencent à se former. Alors, petit message au chat, si vous pouviez m'envoyer un bleu bleu ou un cœur, s'il vous plaît, pour voir si j'arrive bien à vous lire. Ça me serait d'une grande aide. Bon, alors, du coup, pour commencer un petit peu voir côté composition des équipes, on se retrouve avec une équipe de défense qui a un Reinhardt, et on va aller les voir. Reinhardt, Diva, donc on a bien deux tanks, avec du bon heal puisqu'on a du Zenyatta et Mercy, 3 heals puisqu'on a Brigitte, et soldat. Donc normalement on a une très grosse capacité de heal, du contrôle pour ce point de défense. Côté attaque, on se retrouve avec une Mercy, une pharmacie directement puisqu'on a aussi Pharah, on a Diva, Moira, Winston et Macri. Donc ils ont de la mobilité, beaucoup de mobilité, ils ont aussi pas mal de soins. Et on va voir tout de suite comment ça se profile. J'arrive à vous voir, donc c'est parfait. On va aller suivre l'équipe attaquante. Bon là du coup ils ont essayé de passer là où ils étaient attendus, clairement. C'est ça. Ça a un peu de mal à suivre au niveau soins pour l'équipe rouge. Dans le coup, c'est un petit peu deux pour deux, hein. Avec une perte de du tank et de la... Clairement. Plus de shield. Plus de shield pour l'entrée, donc c'est un poil compliqué pour eux. Ils ont récupéré leur... Alors un petit contournement de la part de la Diva et du Winston pour pouvoir séparer les troupes, c'est réussi, ma foi. Oui, non, c'est ça, c'est exactement ça, hein. C'est les occuper et les faire attendre quelque part pour ensuite prendre le point sur le côté. Alors à notre, c'est peut-être un petit peu dommage que Macri soit resté en bas. Il aurait été mieux en fait à pouvoir récupérer justement la plateforme une fois que les tanks ont fait ménage. Ouais, effectivement, il pouvait pas être dedans pour utiliser sa grenade. C'est ça. Ah. Oh, un ultime Macri. Oh, bien, sur le DPS, ça marche. Ça force l'ultime de Golem, du Zenyatta. Alors, un petit rappel pour ceux qui voulaient à nouveau avoir des explications sur les maps. Donc là, on commence par une prise de points. Hein, sur le payload que vous avez ici. Et c'est une map mixte, effectivement. Voilà. Je te laisse, parce qu'en plus, c'est pas moi qui ai la caméra, donc ça sera plus simple. Non, c'est effectivement une map mixte qu'on vous montrait. On a une capture de point initiale qui se retrouve ici. Et ensuite, c'est du payload. Donc, il faut traverser la map pour y aller. Alors, l'équipe rouge se prépare.
Et l'ultime de la hange pour support. L'ultime de la hange Sabu à qui côté. utilise aussi son ulti pour entrer dans le tas. Ah, forcément. Ah oui, donc on a eu un changement avec. On a eu, pardon, on a eu un Reaper qui a été sorti, qui a remplacé du coup. Et pour le moment, c'est difficile pour l'équipe rouge. Il n'y a eu que deux personnes de tomber. Un tank et un Mais heal. non, c'est ils ont du mal à percer. Malheureusement, avec trois heals, ça va être Ah non, quand c'est même bien infâme. pire. C'est infâme le Macris. Non, c'est le soldat qui se positionne en haut. Bah, le Macri, et Une puis la balle diva, s'éclate. la diva quand même qui a réussi à tenir, qui n'a perdu que son mecha. Énormément de mal à tomber. Effectivement, mais là de toute façon l'équipe bleue du coup a deux ultis dispo entre le soldat et la diva. Bah non, pardon, la diva je m'étais trompé, c'est ton mecha qui était prêt. Bon, il y a un ulti de chaque côté là du coup. Nouveau passage, un dépop immédiat du mecha de la diva rouge. Non là. Et un mort du DPS et des Ouais deux bah oui, healers forcément aussi. pour être sûr de rattraper. Ah, du coup avec l'ulti de Winston pour compenser, ça pourrait temporiser. Ouais non mais là ils l'ont raté. Ils ont perdu le Reaper qui. Ouch! Non mais non, Alors, voilà. là, vous avez vu donc Zaza, donc le Reaper, qui est resté. Il faut savoir qu'en règle générale, lorsque vous avez comme ça un fail au niveau de l'engage, il est conseillé de se suicider pour éviter de donner des points d'ultime aux adversaires. Et comme ça vous permet de revenir avec votre équipe en bloc. Et donc, c'est le dernier Sans push, compte-gouttes. avec une charge ratée de la part de Kado. Et qui est tué par Zaza. Bien joué le Reaper, anti-tank par Ah excellence, oui, là l'ulti. encore une fois pour nettoyer, mais bon, la Brigitte, Ouais, la Brigitte qui est qui vraiment a ensuite derrière cancer. détenu la merci qui risque pas. Ouais, non, la merci qui était Et mais tuée par l'ulti. ça a l'air de passer. Le DPS est tombé, il n'y a plus de soldats. Ah ben oui, Et mais c'est la Brigitte toujours la aussi pénible. Mais bon, voilà, il y a des limites à ce qu'on peut diva. obtenir. Allez, Golem qui doit passer son ultime. temporisation avec du coup l'ulti, les ultis. Mais bon, là, le shield de Winston qui a quand même vraiment Qui est annulé le parfait. truc. Là, tout le but est juste de repousser les bleus pour pas qu'ils reviennent sur la zone. C'est ça. Et c'est Comme réussi. ça, C'est voilà, réussi. ils ont pu capturer le Parfait. point et passer en mode payload. Alors n'hésitez pas dans le chat hein, si vous avez des questions. Je On leur fait fais tous les mots d'amour aussi. Ils font aussi les livraisons en Bitcoin. Ça Ah oui, non marche. mais. Donc, ce fait, vous avez vu qu'on était en prolongation. Donc, le fait que l'équipe rouge ait réussi à prendre le point, ça réoffre. Donc, là, c'est 2 minutes 30, je crois, de temps Ils avaient pour 2 réussir minutes à pour atteindre le nouveau prendre. checkpoint qui est indiqué par la petite flèche bleue que vous avez sur la barre de progression. La flèche jaune correspondant à la fin du niveau. Un KD tenté. Il n'y en a qu'un seul qui était tombé, mais surtout de toute façon, il y a la Merci qui a son ulti. La charge du Reinhardt qui a tué le DPS, mais ça fait beaucoup de choses de lâcher alors qu'on est juste à côté du point de spawn des rouges. Bon, Ce qui fait que voilà. l'ulti de Macri qui a permis quand même de faire tomber la Bah, de Merci. tuer la hanche. Ça a Et sonné la fin voilà, le de. coup de Voilà. critique La fin de avec la l'offensive. Merci de chaque côté, il faut faire tomber les heals quoi, comme à chaque fois. Alors, tu trouves que la merci de l'équipe bleue est vraiment forte, mixive? Oui, j'ai pas vraiment regardé. Là, c'est juste qu'au niveau remarque qu'on peut faire, c'est il y a beaucoup de choses qui ont été claquées de la part des bleus, alors qu'on était vraiment juste à côté du point rouge. Ce qui fait que, ben, vous Mais voyez, il y a eu ils ont essayé énormément de de morts, donc temporiser le maximum. le point a été pris très rapidement. À nouveau, le bouclier du Ouh là. Winston. Ah là, très bon shield de cadeau. Ça a été bien suivi. Là, à mon avis, on va avoir face à. Ah non, ils n'ont pas tentative de contournement par le dessus. Étonnamment. Un nouvel ultime Pardon, de je n'ai pas Macri, réussi à vous montrer puis un les signaux nouveau qui healer. arrivent. Et ça pousse bien, ça pousse bien. Charge de cadeau qui a switch sur un singe. Ah, il a lâché le Reinhardt. Ben oui, parce que là, il faut plus de mobilité maintenant. Notamment parce que du coup, les bleus ont vraiment un accès en tenaille à cet endroit-là.
Nouvelle ultime du Macri. Ouais. Qui a tué. Alors, l'autre, c'était le bleu maintenant. Tout à l'heure, c'était le rouge. Pardon, là, oui, excusez-moi. Je me suis trompé. Donc là, vous avez l'inverse cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus proche du point de spawn des bleus. Donc, c'est beaucoup plus aisé pour eux de défendre. D'autant plus que là, du coup, ils ont deux ultis de soins qui sont dispo. Face à seulement pour l'instant, en face, l'ulti de Winston. Le Macri a changé pour un Reaper dans l'équipe rouge, alors que le Macri avait 83% pour son ulti. C'est un petit peu dommage, du coup, de se couper d'un ulti à 20% près. Mais bon, là, c'est peut-être sûrement dans l'optique de pouvoir passer plus facilement à travers les tanks et les shields. Mais bon, le Reaper ayant grosse nécessité de devoir être proche, sinon les dégâts sont vraiment pas à la hauteur. Allez, on va assister au dernier attaque de rouge. Un switch sur un Reaper. Ouais, voilà, il y a un ulti qui est lâché. Et un double ultime du singe aussi de l'autre côté. Eh ben oui, forcément, mais bon, là, les heals traînent très bien. Ah, on a un ult de la Pharah. Ah, là, c'est un très beau compte, par contre, du Macri, qui a fait un peu nettoyer. Ah oui, un triple kill, ça nettoie même très bien. A priori, ils ont bien contré ce push. Ouais. Voilà, ça sonne la fin donc de cette manche avec ouais, clairement, là, si, ça lâche l'ulti sur le payload alors qu'il n'y a personne, clairement. Florian Psy qui demande si c'est normal que le son du jeu est absent. Non. Et bien voilà, tu as ta réponse. Corrigé, normalement maintenant. Mais il fallait dire voilà. Depuis le début, vous avez... Les mecs, vous venez de passer 15 minutes sans dire qu'il manquait le son. Non, mais c'est le seul à nous l'avoir dit. Donc oui, c'est pour ça aurait pu venir aussi de Florian directement. Florian Psy. Juste que les personnes n'ont rien dit. hop, du coup, bah, on a... Le retour. Hein. Donc même principe. Ça, je me disais pourquoi le pilote ne paraît pas. Non, c'est bon, même bonjour à tous ceux qui ont les équipes. Et effectivement, bonjour aux dizaines de personnes qui nous ont rejoints. De la SNCF. Oui, donc voilà, SNCF, c'était vis-à-vis des manifestations. Par contre, vous avez du son, ça va être facile. Ça va être et voilà, donc du coup là, l'équipe rouge est maintenant en défense. Ils changent pas, on a l'apparition d'une Zarya. Attackers incoming. Garde la pharmacie, un Reinhard. Là, bon, on a que deux heals, mais deux gros heals. Parce que Moira, merci, c'est. Deux gros heals. Et on garde la même structure chez les bleus, à savoir toujours trois heals de tank. Et par contre, on a du Genji maintenant, j'imagine, pour flanquer. En Genji intéressant. Par contre, je ne sais pas si en solo DPS ça peut le faire. Les dégâts sont. Il peut vraiment faire du bon dive. Si, c'est un très bon Genji. Il y a des capacités de dive quand même très importantes. Alors, par où ça passe? Ça fait couloir ou ça contourne? Il y a un ça fait le deux, couloir. C'est Winston qui vient pour attaquer directement le DPS. Lazaria qui dit.
Oh, magnifique, MG, magnifique. Ouais, le snipe. Agon, pogato, mesti. Ah voilà, punition pour la Zarya. Et puis c'est un aussi pour le c'était beau. Allez, va faire prendre le tête, on va pas le couper. Et donc là, ben, on a la même partie que les autres, mais avec 2 minutes de plus. Alors, Arkétan qui nous dit que maintenant le son est trop fort et qu'on ne t'entend plus. Ah, on ne t'entend plus, parfait. Ah, donc la mort. Ouh. Voilà, bah, survie du DPS. Normalement, le son du jeu devrait être un peu moins fort. Voilà, dis-nous à Ketan si c'est mieux. Oh, y a le délai, hein, pour le stream. Donc le Genji, toujours pour Arras. Avec à nouveau un ultime pour découper. Oui, alors, l'ulti de Genji est bien passé. Bien étonné. Superbe. Ouais, mais un de ses kills, là du coup ça touche sévère. On va donc attaquer la dernière partie du jeu. Alors, sur la dernière partie du jeu, je ne sais pas si vous le voyez donc à l'écran, vous avez une zone hachurée. Cette zone hachurée vous indique donc l'endroit où le vélo doit arriver pour que l'équipe rouge gagne la partie. Puisque le but est de dépasser de 1 cm exactement la prestation de l'équipe adverse pour remporter la partie. Alors du coup, bon, ce qui se passe là, ça a un peu allé partout, on a eu le déclenchement de l'ulti dans tous les sens. Mais ça a l'air bien tourné. Non, le vélo d'avance, ça tient. Un petit peu, là il vient d'être arrêté. Mais du coup, bon, on a un autre pistolet d'un côté, on a quand même une petite phare. Oh là là, un Genji parfait, voilà. Surboosté grâce à la. Ah oui, mais l'ulti de phare. Et grâce à la hanche. Ah oui, voilà, le combo. Rien à redire. L'ultime de Spiorao, qui joue de singe pour tenter de temporiser un tout petit peu en espérant que les alliés reviennent. Ah, mais si, ça. Et l'ultime de Landan. Ami Belshield. Le shield de Winston, ouais. Qui a quand même réussi à tuer le bon, le qui a été ressuscité par Lunala à la merci. Du coup, oui, on l'a même. Derrière. Mais du coup ça permet d'arriver au compte-goutte, donc ça ralentit le problème. Par contre le compte-goutte c'est qu'il serait jamais assez fort pour vraiment annuler c'est ça push. Et c'est la fin de cette partie. Magnifique Genji, sublime. Je pensais, enfin en tant que solo DPS plutôt en mode Arras, hein, que ça allait peut-être être un petit peu difficile. Ah, et pour récupérer en fait, pour récupérer sur les côtés, HP, parce que les temps sont bien entamés, en fait, très bien passé. Ouais. Boosté par la hanche de Lunala en plus. Parfait, juste parfait. Dégâts génie. Et voilà, donc du coup on a eu un POTG du Macri. Voilà, donc du coup, là, on... J'ai même pas calculé au niveau des points. au niveau des points, je ne sais plus. Eh bien écoute, mon petit Void, je te laisse, et puis je reviendrai pour les prochaines parties, puisque c'est moi qui vais récupérer, cette fois-ci, l'étendard de joueur. Vas-y donc, va te préparer. Allez, à plus. Tout à l'heure. Salut.
Et nous revoilà du coup pour le deuxième match qui va voir s'affronter l'équipe 1 face à l'équipe 3. Et du coup j'ai été rejoint par Tarty pour commenter du coup ce deuxième match. Yes, salut tout le monde. Et du coup, pour les personnes qui nous suivent, n'attendez pas la moitié du match pour me dire qu'il n'y a pas de son. Normalement, j'ai bien fait attention cette fois-ci, mais quand même. J'en profite pour mettre une petite annonce. Alors, je recherche un mec. Alors, beau, fort, intelligent, enfin, tout ce qu'il y a. Donc, envoyez-moi un petit MP. Voilà, voilà. Je n'ai qu'une chose à répondre à ça, mais toi, tu ne l'entendras pas, par contre, c'est uniquement sur le Oh, no. Are you serious? Not what it right in front of my salad? C'est tout ce que j'ai à dire. Et tu devras regarder le stream pour savoir ce que c'était. Bon, du coup, on est en Angleterre. Mais comment il s'appelle? King's Row. On est à King's Row. Donc, on est sur les mêmes types de maps que tout à l'heure, à savoir une conquête de points suivie d'un payload. Et du coup, niveau composition d'équipe, on a pour l'équipe d'attaque de la mobilité, on a une Diva qui pourra se passer pas mal. En soins, on a une Brigitte et une Moira. On a une Orisa pour pouvoir faire face au passage goulot du couloir. Enfin, du couloir de ce passage-là, qui est généralement le plus compliqué à passer. On a un soldat et on a une Sombra pour pouvoir flank. Du coup, en défense, étonnamment, on n'a pas de Reinhardt ou d'Orisa qui permet de shielder bien le devant. On a du coup à la place un Winston qui pourra faire du shield, mais du coup qui est quand même moins durable. Allez, c'est lancé. Ça commence direct, effectivement. On peut voir déjà la Sombra qui flanque direct sur le côté. Les autres qui vont les occuper au milieu, évidemment, par le passage obligé hein, qui va être pénible. Tout l'intérêt va être de voir comment ils vont pouvoir justement les faire baquer et les occuper ailleurs pour pouvoir passer ce passage. Donc voilà Sombra qui vient de passer là-dessus, là-haut, je vais essayer de vous la remontrer, voilà. Et c'est bien le principe, la Sombra qui passe derrière l'équipe et qui du coup va vraiment disturb leur défense. Et voilà, c'est ça, c'est la se positionner. Hop, elle va voler leurs soins. Après, ça se fait aussi un petit peu dans le couloir là avec la. Là, ça stagne un petit peu là. Ça stagne un petit peu, effectivement, bah, c'est vraiment le problème. Réussir à trouver une percée, faire tomber les soins, c'est vraiment ce qui va décider de réussir à prendre ce point ou pas. Là, la Sombra qui est force du coup. Il y a ce deux morts. En y allant. Là. On a la Diva qui récupère son méca, mais ah, on a un ulti prêt côté défense, côté Macri. Ah, ça par contre le stun sur une Sombra, plutôt efficace. Alors, on a un ulti prêt côté soldat en face. Donc là, voilà, c'est vraiment du... Bah écoutez, ça fait monter les ultis au moins, c'est ça. Ah, ça c'est... Une belle descente de Brigitte. Parce qu'avec son shield, elle est vraiment très pénible, effectivement, face à une équipe. Mais alors par contre, s'il arrive à la stun, ça tombe direct derrière. Là, ils ont compris. Ah, mais contré, un ulti du soldat qui est complètement contré par du coup le Vinata qui avait déjà son ult également. Il y a également le Winston qui a sorti le sien, qui a permis vraiment d'annuler la tentative de push. Et on est encore là dans un statu quo. Hein. Ah, il y a la Diva d'attaque qui a son ulti également pour essayer de les faire culer. Quand elle pousse, mais bon, ils ont 3 ultis, 2 soins et. La Diva a été fondée rapidement. Ah, il y a quand même eu des morts, hein. Ils ont pas réussi à se protéger correctement de l'ulti de la Diva. Il y a la Sombra qui a son ulti de près et qui pourrait clairement disrupt la défense. Si c'était ensuite, voilà, si, là, c'est exactement ce qu'elle a fait. Suivi derrière de la Diva, c'était clairement à faire. Ils ont perdu
Ah oui, il avait eu le blasphème, mais ça n'a pas suffi du tout. L'ulti du Mac 3 qui n'a pas réussi à faire tomber. Enfin si, quand même deux. Exagéré, mais pas les tanks, quoi. Ah, oui, c'est là où on voit là, que c'est plutôt bien parti pour vous, je quand même bien. Ça va arriver au compte-goutte, donc normalement à partir de là, tant qu'ils n'arrivent pas en bloc, ils pourront pas normalement freiner la capture. Alors, on voit de toute façon ils sont plutôt loin. Ouais, non, ils sont encore trop loin, ils peuvent pas. Il y a la sombra en plus qui va les ralentir pour les empêcher de venir choper le point. Donc on passe du coup dans la deuxième phase de cette game. Celle du payload. Alors la map King's Row est assez compliquée parce qu'elle est très propice aux flancs. Vous avez des couloirs dans tous les sens qui vous permettent du coup effectivement d'échapper ou de flank l'ennemi qui push. Comme là on peut voir la sombra qui peut passer tranquillou derrière l'équipe. Disrupt quelqu'un et hop repartir, c'est vraiment une map parfaite pour ce type de jeu. Et la Brigitte qui a bien compris qu'il fallait aller chercher, c'est bien géré. À côté défense là. Bah oui non mais. Ils sont tranquilles, ils ont un ulti d'attaque, ils dispo. Ah oui. Ouf, le soldat qui. Eh oui, qui a réussi à faire tomber Macri. Macri qui est quand même un des plus pénibles. Alors du coup, il y a un Reaper, hein, on a lâché Macri alors qu'il avait un ulti, il a lâché son Macri et est parti sur un Reaper now. Dommage pour l'ulti. Pour l'instant il n'y a pas d'ulti près, donc là ils sont en train de démonter. Hein, clairement, c'est un petit peu de façon le temps, on attend les équipes s'affrontent, monter l'ulti. Ah oui, du coup avec la Brigitte qui est bien flanque, avec le push. Ah, attends, un petit peu graphique là, on voit pas l'ulti de Omega. Ça arrive. Ah oui, non, là. Ils sont fait rouler dessus. Alors. On a deux ultis pour les soins de la défense. Ils devraient pouvoir permettre de le tenir. Ils ont plus ulti côté attaque. Ah oui non mais par contre la sombra qui était passée tranquille quoi à la maison. Et oui c'est ça la sombra là c'est toujours le facile. Pourtant il y a Kadomino qui part par devant du coup pour disrupt l'attaque mais qui ne permet pas d'aller dégager les flanqueurs. Là effectivement la Orisa est très utile pour pouvoir tenir en fait pour compenser réellement l'attaque. Mais ils arrivent bien à se défendre là, ils ont réussi à faire reculer les rouges. Ah il y a la Moira qui retourne ici. Il y a toujours un bug graphique, c'est bien. Moira qui joue d'une façon un peu plutôt agressive. Alors on a l'ulti là qui vont tenir. Ouais, ouais non, ça on touche échappé. Allez, une minute avant la fin, on a une diva qui a encore son ulti. Qu'il pourra utiliser pour le push. Ah on a pas mal d'ulti là. La sombra qui est morte. Ah oui, on a 4 ulti. C'est le moment normalement là de push, hein. Ouais, si, il y a quand même deux morts qui sont côté. Ah mon dieu, deux soins qui sont tombés côté défense. Là en plus, ils ont trois ultis disco pour push. Ah là, forcément, effectivement, le soldat. Ça nettoie tout ce qui est resté. Ah, mais oui, voilà, ça tombe. Arrive en belle. Là, ils sont pas prêts, ils s'attendent. Mais si, avec l'ulti de Zenyatta, ils vont pas temporiser. Mais ouais c'est ça voilà exactement ce qu'il fallait. Ah oui et parfait l'utilisation du coup de l'ulti de la sombra pour annuler les autres. Parfait.
Et alors, du coup. Allez, non, les rouges sont quand même bien présents. On est en overtime en plus, hein, donc là on est vraiment sur la dernière attaque. Manque de soins, là, ça tient. Alors là c'est la Russie qui arrive à en pousser un. Vous voyez, c'est pas facile, non, elle part pas là-dessus. Ah oui, bah, la Mera. De l'autre côté. Ouais, forcément, une petite diva. Allez, est-ce qu'ils vont réussir là, c'est plus. Je comprends pas par contre, la Orisa qui ne coule personne dans les trous sur les côtés de la map. C'est assez étonnant qu'elle ne les coule pas dedans. Et ils ont réussi à tenir. C'est beau. C'est beau, ils ont réussi à les faire partir. Et, non, c'est étonnant. Du coup on reset effectivement, là vous pouvez voir que ça c'est la position du payload du coup pour l'aller. Vraiment à rien de la victoire. Et on reset en inversant les teams du coup. Je vois déjà qu'il y a un Junkrat qui a été choisi. On va voir effectivement les Junkrat pour tout ce qui est shield sont très performants. Alors du coup, ah oui mais on a un Junkrat en défense, oui, sachant que pour le coup ils ont pas d'Orisa eux au sens inverse, donc non je suis assez étonné d'avoir le Junkrat en défense, quoique dans le boulot en même temps il pourra juste bombarder et monter son ulti facilement, ça se tient. On voit une Widow qu'on n'avait pas encore vue, évidemment hein, sur cette map la Widow qui va se positionner classiquement en haut pour essayer effectivement de choper les têtes qui dépassent, mais bon, de toute évidence, la défense, comme tout à l'heure, va rester derrière, hors des angles. Ça va pousser du coup la Widow à devoir venir beaucoup plus proche pour essayer de les avoir. Ok, donc le Junkrat se positionne en hauteur pour bombarder à level, j'ai envie de dire. Après, bon, ils ont beaucoup de tanks, 3 tanks. Pour le soin, ils ont opté pour juste une Moréa qui a une très grosse puissance de soin et en plus doux, du coup, rester sur Lucio. On garde la même compo que la game précédente, on a vraiment la même composition à chaque fois pour l'équipe 1. Et la Widow a été abandonnée du coup pour le game play, depuis qu'on a vu le point tout à l'heure. On va voir maintenant si ça passera comme ça cette map. Et bon, pour l'instant pas mal. Ça se tient, Vidéologie pas conteste. Nous on a une diva piston côté des défenses. A déjà l'ulti de Kadominou avec Winston. Déjà prêt, il a réussi à monter super rapidement son ulti, c'est bien passé qu'il a pour faire son tour. Ah, sa haut est tombé finalement. Beau travail de Lumala avec Merci pour Will, mais là avec l'ulti. Ah mais non, il a été utilisé. L'ulti de Krat. Il a été un peu greedy là où il a. Enfin greedy. Il aurait peut-être dû garder pour une attaque plus complexe. Non. Position reste, etc. Là par contre, ils ont pas grand chose pour faire tomber les chutes facilement. Ah, Visao s'est fait éteindre. Donc là, la technique pour lutter contre le shield de la Orisa, c'est en fait de dive dedans avec Kadominou, mais c'est pas forcément les plus évidents là. Ah, petite diva, avec toujours le fait que les petits objets protègent les divas. Évidemment, l'ulti de Zenyatta qui lui permet de bien pousser, enfin de changer l'attaque en tout cas. C'est que effectivement, la Orisa n'était pas vraiment trop tombée depuis le début, c'est chose faite, mais bon, du coup, ils n'ont plus personne pour attaquer. Zao est repassé sur son Reaper.
Notamment, bah, il devrait pouvoir faire pas mal de dégâts après tomber. J'allais s'attendre beaucoup, histoire de reset l'attaque. Sauf que bon, en face, on a du coup l'ulti de Jackal. Qui est fait de Chacal, pardon. Fait, on a celui de Zarya et les deux combinés, ça peut être joli. Très curieux, est-ce qu'on va l'avoir? Non, eh non, il a pas marché. Je suis déception. J'ai pas réussi à avoir la chance. Ok, bon. Un peu confus. Pas la grande folie. Ça soigne. Mais c'est passé. C'est passé. Je pense que ça a bien marché. Ouais, ça essaye un petit peu de contrôler, mais y a pas assez de puissance attaque en fait. C'est le problème du coup d'avoir aucun DPS dans l'équipe bleue. Ah aussi Zao switch, mais le reste ne switch pas, et c'est peut-être ce qu'on pourrait regretter du coup pour l'équipe bleue. C'est qu'il y a que Zao qui switch. Alors l'équipe rouge n'a pas switché, mais il n'y a pas trop de nécessité, hein, absolument, il t'aime bien. Voilà, bon, il y a une Noissa qui va pouvoir pour pousser. Il nous reste 20 secondes. Ouais, non, le glacier qui n'a plus de soin. Mais on a un ulti de Jackal pour nettoyer. Ouais, voilà, ce qui est resté. Bon, il y a Domino qui est toujours là, mais il est seul. Et là, à mon avis, c'est fichu. C'est dommage, il aurait pu essayer de temporiser un peu plus avec son ulti. Mais bon, ça passe pas. Bon, mais l'équipe 1 s'est fait contrer. Et puis là bien, hein, parce qu'ils n'ont pas réussi à passer le premier, rien qu'à récupérer le premier point. Chapeau du coup à la défense. Puis OTG revient du coup à Diva. Alors, pour quel moment. Ils sont tombés comme ça. Ah oui, ils sont bien restés au milieu. Et voilà du coup pour le match équipe 1 contre équipe 3. Donc normalement on devrait avoir de nouveau un changement d'équipe pour avoir l'équipe 2 contre l'équipe 3. Et on se retrouve tout à l'heure. Burger King foot lettuce. The last thing you'd want in your Burger King burger is someone's foot fungus, but as it turns out, that might be what you get.
Et nous voilà du coup pour le troisième match qui va voir s'opposer l'équipe 2 à l'équipe 3. C'est bien ça, hein? Moi, j'ai pas conneries. Ouais, c'est ça. C'est ça, et donc je suis accompagné de Zao. Salut, salut. Exact. Et donc, cette fois, nous sommes à Oasis. Oasis qui est... J'ai encore oublié le nom de ce type de map. KOTH. KOTH. En gros, ouais, c'est qui va prendre le point, quoi, et le défendre. C'est ça, mais il y avait un nom et on l'avait dit la dernière fois, je l'ai oublié, c'est... Bon. On va sortir. Bon, Oasis. Oasis qu'on n'avait pas vu de mémoire dans le précédent tournoi. Mais bon, même structure, de toute façon, pour les conquêtes de points, enfin pour les conquêtes, bon, enfin, pour les captures de points, non, c'est ni l'un ni l'autre, bon, domination, on va appeler ça comme ça pour le principe. Vous avez une map qui est symétrique, même distance de chaque point de spawn, et ils s'affrontent au milieu pour garder le point. Évidemment, vous avez l'accès principal de chaque côté, qui arrive par un goulot, vous avez un passage sur le côté ici, et surtout, en fait... Plutôt, vous avez un passage souterrain qui vous permet d'arriver directement sur le point. Comme ceci. Au niveau des équipes, on a deux tanks dans l'équipe bleue avec Diva et Winston. On a trois soins avec Brigitte, Merci et Moira. Et une Phara pour occuper l'espace dans les airs, parce qu'ils n'ont pas de côté, mais ils ont de quoi normalement avec le soldat la contrer. Et oui, là, le couloir, le soldat était seul, et il ne devrait pas pouvoir tenir très longtemps. Bah, il y a le Winston qui va peut-être prendre un pic là. Non. C'est qui dive et qui va essayer de faire des pénibles avec les soins, mais il était un peu seul. Picking Boy qui tombe en premier. Par les coups de soldat. L'équipe bleue qui prend un avantage. Le Diva qui est low HP, il faudrait aller la chercher. La Phara qui le fait. Et l'équipe bleue prend le point. Et du coup, là, généralement, dans ces cas-là, une fois qu'ils ont pris le point, le coup c'était de garder l'autre équipe avant de les empêcher d'accéder aux autres points, évidemment. Et ne pas rester sur le point et être complaisant. On a 4 outils disponibles pour l'équipe bleue, 2 dans l'équipe rouge. 5 outils disponibles maintenant dans l'équipe bleue. Donc là, ils ont un avantage. Ouais, l'équipe bleue est bien placée là. Allez, 6 outils. Drag, il se fait pas mal de dégâts. Ça essaie de se rendre. Ouh, la Macri qui se prend une directive magnifique. Ah oui, effectivement, il est les attaques. Yes. Ah mais le Pinky qui retombe, il va trop en contact avec son jackal alors qu'il devrait plutôt bombarder. Ouais, il devrait être à distance. Là il est à chaque fois il s'est fait avoir dans les couloirs par Winston. Ouh le reste de Moira. Le reste sur le point quoi, ce qui est quand même plus compliqué maintenant que depuis le rework de Mercy, il est passé. Ah les rouges vont peut-être réussir hein. Les rouges qui sont en train de reprendre l'avantage en effet. Et oui là ça. Ouais effectivement le Winston est en partie, ils ont pas trouvé battre. Ouh le merci et le merci le. Oh le Winston qui prend cher, hein, il prend tarif le Winston. Ah, oui. Et la Phara qui tombe sous Moira. Et l'équipe rouge qui reprend le point à 79%. 80 non, 79. Ah, oui. Bon au moins du coup là la Phara a gardé son ulti. Pour essayer de caler avec le reste de l'équipe. Toujours deux ultis chez les rouges, enfin deux ultis chez les bleus, pardon. Il y a un seul chez les rouges du coup. Mais qui pourrait être utile du coup pour augmenter leur dégâts là, pour la défense. Et encore, encore Pinky. Décidément, il y a Junkrat hein. Trop au contact. Il est un peu greedy hein. Ouais, clairement, clairement. Et... Le Ainun qui est lancé, ouais, mais il a été contré. Et la fameuse Phara qui fait l'équipe. Joli. Joli ulti de la Diva et Bleu qui récupère le point là. Ah. Diva contré par Winston qui prend pas de kill. Elle reprend facilement le point. Effectivement. La là, pharmacie de hein. Du coup de la rouge. Ouais, ils sont pas très loin mais. Ah il y a une Sombra qui. Il a lâché son Junkrat pour la Sombra. Il va essayer de flank là. Ouais, c'est pas mal, ils sont derrière l'équipe bleue. Ah, la bleue, l'équipe bleue qui. Mais
dans son état naturel. Je fais Oasis. Ouf. Le Diva qui tombe. La Moira qui va tenter le tempo et la Sombra aussi, je crois. Non, Moira. Et la Sombra qui est vraiment pas conteste, quoi. Ouais, et voilà. C'est le. Non, toujours pas. Winston. Winston qui peut temporiser, mais là, il faut vraiment que ça suive et. La Farah qui fait vraiment le café, hein. Faut vraiment que quelqu'un la contre. Et c'est le premier point facile, 100 à 39. C'est ça. Pourtant, il y avait le soldat, hein, mais. Ouais. Pas pris suffisamment l'opportunité de vraiment la harasse. Bah, vu qu'il y a Mercy, ouais, et oui, le focus est difficile. C'est juste pénible, quoi. Mais après, l'équipe rouge au niveau compo. Lucio en soin, bah bon, c'est quand même du latent, on va dire. Ça marche pas. Ouais, Lucio, c'est compliqué. Dans cette méta, Lucio, c'est vraiment compliqué. Bah, il est pas sur une map où il peut bénéficier de l'environnement pour essayer du coup de dégager. Quoi. Là, non. Là, c'est pas un Ilios ou un Népal. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, pour l'instant, la Farah qui marche bien. Il a lâché le soldat pour du coup une Tracer. Ouais, la Farah du coup, là, pour moi, qui va être encore plus libre. Ah oui, là. Ouais, là, ils ont pas. Ouais, bon, après, la Diva pourrait aller la chercher éventuellement un peu plus. Ouais, mais Moira qui tombe. Ça met l'équipe bleue en bonne position. Là, la Farah est vraiment libre, hein, Peskev, hein. Je la regarde. Ah, là, elle est... 25 HP, quoique, hein. Elle peut tomber. Elle a été prise. Elle est tombée, ça y est. En vrai, Tracer peut être bon contre Farah si elle gère pas son vol, Farah. Et là, l'équipe bleue qui prend l'avantage. Avec la même compo, on se trouve quand même encore une fois avec les 3 îles. On avait la même chose tout à l'heure avec l'équipe bleue. Ouais, ça marche bien. Ah, ça a moins marché sur le deuxième match, mais là ça repasse. Hein. Ouais. Toute évidence, le soin constant. Mais là, la Farah met une pression énorme. On a une Widow. Il y a Angèle qui sort le beau jeu. Qui met un bon hit sur Mercy. Hein. A voir si elle a réussi à la choper là. Elle attend, mais. Oui, c'est autant nous, on a la 10 yeux, elle l'a pas encore. Ouais. Ah oui, là, du coup, forcément, et Winston, là, King's Edge. C'est effectivement que Winston va aller chercher la Widow. Malgré le Reaper, il a reçu. Ah bah voilà, le Reaper vient de le faire tomber. Et la Farah toujours, qui est monstrueuse. Elle fait son ulti, donc là en plus dans un couloir, ça fait dégueulasse. Et là il est bloqué d'accéder. La Farah un peu greedy, mais ça va, elle s'en sort. Ouais. Elle sait qu'elle peut le faire, quoi. Et là si elle passe derrière avec un ulti, non, elle ne le fait pas. Ils ont sorti un McCree à la place de Tracer. Ah, exact. Oh, ouais. La Lutti qui va faire mal. Mais oui, je l'attendais, c'était le bon endroit, et effectivement. Lutti Divac. Attention, pas de kill, parfait pour les bleus. Non, on peut quand même pas mal échapper sur cette map. Ouais. Ici, ouais, franchement. Toujours un avantage. Là, les rouges n'ont pas réussi à choper du tout le point cette fois-ci. Oula, Anna qui tente des hits, mais bon. Je suis pas convaincu par la Anna sur cette map là. Bon, Anna c'est faible en ce moment, avec l'arrivée de Brigitte, je trouve ça vraiment faible. C'est Brigitte qui est. C'était beau. Ouais, c'est clair. Ah, il a réussi, il a sorti le. Et le bon hit, le kill important sur Anna de Winston. On a un Zenyatta qui a sorti sa transcendance. Mais bon, ça suffit pas, hein. Ils ont pas assez. Le Macri qui traîne la Farah, mais ça marche pas. La Farah vraiment qui est instoppable. J'ai pas vu mourir une seule fois. Hein. Je crois qu'elle est pas conteste en fait. Ils essayent, mais y a rien de trop bon quoi. La Orisa qui se fait déchirer de partout et ça tombe. Là on est en overtime, mais bon, la Anna toute seule. C'est la victoire des bleus, hein. GG au bleu. Oui, bon, là c'était assez évident. Comme quoi. Ah ouais, la Farah vraiment. 3 îles de tank, c'est infâme quoi. Ouais. Attends, ils auraient dû partir sur un triple tank comme tout à l'heure. La Farah aurait eu plus de mal à faire des dégâts déjà. Donc là effectivement on a le... Ah oui, là, ah oui. Elle a bien géré, elle a passé par le côté. Le beau côté G.
Allez, oui. Ah oui, effectivement. Très joli, très joli. Très propre, la pointe phare. Bon, c'était rapide, hein. C'est... Oui, mais pour le coup, là, pas été très conteste, le point. Pas suffisamment, quoi. Excellent. Voilà, et du coup, on va pouvoir passer à notre premier match retour. Yep. Donc, du coup, on devrait se retrouver de nouveau avec l'équipe 1 contre l'équipe 2. Bah, je vais te laisser, alors. Parfait, à tout à l'heure. À toutes. Et nous revoilà du coup pour le premier match retour, équipe 1 contre équipe 2, et monsieur Papier qui est revenu commenter. Re tout le monde, représent pour commenter donc la suite et le début des matchs retour. La revanche. La revanche, puisque du coup nous avons une égalité parfaite, toutes les équipes ont un point. Oui, tout à fait, une manche partout pour chacune des équipes. Donc là, les matchs retour vont vraiment décider. C'est tout à fait ça. Et on aura donc Junkertown comme map, donc une map d'escorte de payload, donc de bout en bout, avec une première partie très très à découvert, donc qui offre beaucoup de possibilités justement pour des champions qui sont très 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 mobiles. On pense par exemple à Tracer ou à Reaper, qui peuvent vraiment se faire plaisir sur cette map, se faufiler un petit peu partout. Finalement, c'est un bon endroit aussi pour les snipers, elle est bien dégagée, mais je vois qu'aucune équipe ne part sur les snipes. Hein. J'avoue que dans les tournois Overwatch Next Gamers, il y a peu de snipes en général. Oui, oui, oui. Bon, bah, sans revenir sur ce qu'on a fait, parce que c'est pas du tout mon but. On a eu, donc, sur la précédente game, donc, une petite fatale pour tenter de contrer la vilaine Zaza. Ça n'a pas fonctionné, hein. Je pense que vous avez pu en être témoin. Ah, elle était sortie un peu tard, peut-être. Après, sur Oasis, c'est compliqué. Ouais. Hein. Très forte sur Oasis, Pharah. Très très forte. Beaucoup d'espace aérien. Du coup, niveau composition des équipes, là, en défense, on a encore la même structure que tout à l'heure. Avec un bastion. Ah non, bastion en attaque, excusez-moi. C'est un attaque. En attaque, on a du coup le bastion, évidemment, qui prend le payload direct. Avec oh, l'ancienne méta. Ah bah oui, oui, il nous ressort le double shield bastion. Ah, tentative de dive là quand même. Mais Allez, non, tant que le front tient c'est le meilleur moyen, de toute façon contre un bastion, il faut rentrer dedans. Bah là, dans les fêtes, ça ne passe pas. Face à ce type de méta derrière, il faut sortir le Junkrat, immédiatement. C'est ça, sortir le Junkrat et oui c'est ça. Foncer pour faire en sorte que les boucliers s'écartent. Sinon, tout ce qui passe à travers les shields, mais bon, une Symmetra, toujours un peu. Il n'y a pas grand chose, hein. Bah, à part la Symmetra. Il y a la Moira qui peut balancer ses boules, etc. Il y a la Moira, c'est vrai. Mais là, voilà, déjà, du coup, l'ulti dispo pour le bastion, évidemment. Hein. Et voilà, mais ils n'arrivent même pas à passer. Et le premier point qui est volé hein, sur cette. En même temps, sortir la méta classique là, c'est. C'est ça, bah ça surprend toujours. Hein.
Ça surprend toujours. C'est vrai que le Bastion, on le voit assez rarement. Bah on aurait pu avoir un Turbine en plus, hein, mais... pour compléter... Ah oh oui, mais alors là, ça aurait été vraiment... Là, je pense qu'ils savent pas trop, ils ont pas de switch, hein. Y a pas eu de... Si, ils ont lâché la Zarya pour le... pour le Reinhardt. Ils ont ressenti le Bastion en des réponses. Est-ce que ça va suffire? Non, le Bastion s'est fait éclater. Et du coup, ils ont moins de shield. Ah, voilà. Ah, bel ultime. Le Bastion qui a été ressuscité, qui du coup peut arroser, etc. Mais bon, il a un peu plus loin. Mais il survit au milieu de la mêlée, il survit. Oh, belle ultime de Landa. Le cadet. Mais bon, ouais, ça reste tout de suite, évidemment, que merci, parce que bah, ça regrette peut-être pas assez les heals. Et en même parallèlement, ils sont passés par derrière, et ils ont quand même récupéré le point. Ouais. C'est ça, et l'équipe bleue qui n'y est pas du tout en ligne. Il attaque la Orisa, bon, il va réussir à la faire tomber, mais... Non, quoi que... Bon, ils ont réussi à reset. Et du coup, maintenant, bah, l'autre méta est perdue. On va voir s'ils vont switcher. Et pour l'instant, n'a pas l'air d'être le cas. Si, ok, on perd le Reinhardt pour une Diva, mais c'est tout. On retrouve quand même au niveau de l'équipe de numéro 1, donc l'équipe de Zao, en leader, la même compo que sur la première game, c'est-à-dire qu'ils partent sur 3 healers, 2 tanks et un seul DPS. Ça a l'air de payer, hein. Bon, maintenant, oui, ils ont réussi à récupérer, hein, ils ont concentré. Maintenant, là, face, ils avaient quand même 5 ulti, ils en ont perdu 3 dans l'équipe bleue. Ouais, c'est vraiment de push. Et l'ultime de Zao qui ne peut rien faire contre l'ultime de Moira. Il est beaucoup trop puissant. Et puis, enfin, c'est Zaza qui était focus sur lui, donc. Ah oui, si, ça essaye, mais bon là, du coup... Et un switch, hein, du Bastion sur un... Junkrat. Mais oui, ben oui. Là, contre les shields et autres, ça peut clairement faire le job. Après, toujours le même problème, hein, 3 heals. Réussir à faire tomber les 3, ça reste très compliqué, quoi. Du coup, Payload, Arketan et le bon P. Payload en fait c'est P-A-Y, load. Je vais pas faire l'étymologie anglaise ensuite pour trouver le sens. Mais... Alors, est-ce que ça tient toujours avec ce. Oui, voilà, donc là on a le shield de la Orisa avec du coup le Junkrat qui bombarde. Est-ce que ça marche? Non, pour l'instant le shield tenait. Il vient de tomber et... Non, ça tient encore, il vise absolument le Bastion, il le target à mort, mais il est bien tenu. Et oui, ils arrivent pas à... Ah oui, ouais, non, la chance à ça, c'est fini. Et l'ultime de la diva bleue de Shadow qui a complètement bloqué en fait l'avancée. Vous avez pu voir toute une partie en fait des joueurs qui n'ont pas pu venir justement descendre Zaza sur son Bastion. Un teamfight coupé. Il essaye, hein, Zao essaye vraiment du coup avec son Junkrat. Il a raté malheureusement son ulti tout à l'heure. Mais là effectivement, il s'est bien positionné le duo Zaza du coup en se mettant un peu plus en frais. Ah, la diva. Et qui n'a rencontré par le shield. Rien n'est tombé. Ah là, si, voilà le stun bon. Qui a permis de temporiser un petit peu, mais il est tenu au niveau des dégâts, boosté du coup par la merci. Nous avons quand même sur ce tournoi deux merci d'excellente qualité, hein, Lunala et Anaëlys, pour les games que j'ai vus. Déjà au match aller. moi je les avais pas vus, enfin je les subis. Et ouais, deux ultimes, enfin deux anges particulièrement brillantes. Qui tombe très peu, qui heal les bonnes personnes au bon moment. Là, dans les cas. Widow. Ah, petit échec en ce qui concerne les boucliers de l'équipe bleue. La perte des deux tanks. Voilà. Les heals ont failli tomber, mais c'est l'habitude. Bon, ça target les DPS au lieu de targeter les heals et ça arrive pas.
à casser la ligne de défense, quoi. Et nous n'aurons eu, pour le moment, aucun match à plusieurs manches. Avec un troisième, tu veux dire Oui, avec un troisième... On n'a pas réussi d'avoir de l'égalité parfaite à chaque fois, il y a toujours eu un décalage. Dernière attaque des rouges. Le temps que toute l'équipe arrive. Ah, la merci est tombée de l'équipe rouge. La Pharah qui était tranquillou et qui a touché personne pour la contrer. Du coup, se fait plaisir là, tranquille. Oui, voilà. Et là, du coup, en plus, elle a son bump, elle pourrait juste écarter et dégager les vertus. Et là, vous avez. Vous avez eu donc l'illustration un petit peu de ce que je vous disais, bon, même si l'équipe bleue a fait pareil. Sur l'équipe rouge, vous avez eu que la mort de Zao sur sa Pharah, qui était le seul DPS de son équipe. Donc à partir du moment où le DPS est tombé, les dégâts étaient trop faibles pour réussir en fait à repousser les tanks et mettre à mal les healers. 3-3 healers. Si vous avez rien pour les one-shot, pour les dégager d'un coup, ils vont être re-healés directement derrière. Et donc, dans la version, qu'avons-nous dans les équipes? Ça n'a pas encore vraiment changé. On a toujours la compo 3 healers. Ah non, il y en a un qui change. Ok, donc là on a 2 tanks, 2 healers, 2 DPS, enfin défense, 1 DPS. Bon, du coup, effectivement, on a troqué la Moira, qui faisait quand même un gros soin pour Norissa. Oui. Après, si, ils vont peut-être essayer de faire pareil, c'est-à-dire se faire un Reinhardt, Orisa, Bastion. Vu la compo de l'équipe, ça a l'air. Et en face, ils ont Kadaminou pour dive. Diva pour Arras, etc. Mais ils ont rien contre les shields. Donc, à mon avis, ils risquent de galérer quand même. Et je irai même plus loin. Ils n'ont pas de shield. Hein, à part le petit bouclier de Kadaminou. Mais qui la va possibilité de... Voilà, c'est ça. Il va le mettre pour protéger. Mais, Une fois que le bouclier est tombé. Oui, c'est ça. Il est très court et pas très résistant. Mais là, surtout, ils ont rien, eux, pour faire péter. Ils n'ont pas de contrôle aérien. À part la Diva qui va peut-être vite fait pouvoir se balader. Il n'y a pas de chacal pour amocher les shields. Et là, effectivement, Salab s'est profilé, même méta que tout à l'heure. Ils ne sont pas dit qu'ils auraient le retour identique. Quoi. Et pourtant, qu'est-ce qui est plus agréable que d'humilier avec un bastion? Fait une fois par un bastion. Voilà, à voir si ça tient. Et si là, ce n'est que voilà. Plutôt bien. La technique donc du dive dont on vous parlait un tout petit peu auparavant contre un bastion, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Oui, non, Kadaminou a bien géré son insul, il a fait tout son match, enfin, à chaque fois, des belles actions. Et Tini qui sur le dessus a réussi à détruire à nouveau le bastion qui avait été raise par la Merci. Kado a essayé de targeter bien la Merci, mais du coup il s'est fait récupérer quand même par le Reaper. Zaza. Ah, on a une widow. Le shield est trop bien placé pour qu'elle puisse vraiment être utile. Par contre, s'il arrive à choper la Merci, le shield est trop en place et ils n'ont rien pour les faire tomber. À mon avis, ça risque d'être un peu compliqué quand même pour la widow. Ah, quoique quand le shield est tombé. Oui. Là, du coup, ça marche mieux, hein, forcément. Bon, il touche pas beaucoup non plus. Hein, il essaye, mais moins performant. Aïe, aïe. En plus, on a Elise qui se permet de faire une Merci DPS. Quoi. Ah, bah évidemment, l'ancienne Merci. Et... Mais là, le problème avec les Merci en ulti, c'est que si vous n'arrivez pas à accumuler tous les dégâts d'un coup, c'est mort parce qu'elle a une régène augmentée. Bon, il a fait sa tête, mais... Oh mon dieu! Oh bon, ça t'y baguait, quoi! Qui a osé? C'est Lunala qui t'y baguait, Anaëlys? Je ne sais pas, en tout cas, Anaëlys n'a pas vraiment cherché à... Non, bah non, elle savait que c'était fini. T'es foutu. Mais bon, le t-bag, quoi, le manque de respect. Allez, là, on a une position de base avec, effectivement, la Widow qui se met dans l'angle
pour essayer de les choper quand ils sortent. Ils sont loin du payload. Le but, c'est il y a 1 minute 30, les ralentir le maximum, c'est peut-être pas mal. Mais là, bah oui, voilà le dive. C'est ça. C'est pareil, hein. Excellente rencontre contre les Zilla. C'est bon, elle va tenir. C'est fait un peu punir en retour aussi. Et ça passera au diver, hein, il reste dans le coin. C'est ça. Ah, ouais, il a raté, il a raté pour choper les heals. Il est obligé de reset. Aïe, il va percher Zéro. Hein. La perte du mecha pour Tini, hein, qui peut être bien. Oh, et la mort de Zao. Voilà, le dive du singe qui a réussi cette fois-ci à venir à bout du. Alors, Tuk qui fait dodo. Voilà, il a pas l'air d'être concerné par ce match. Bon, c'est un troll, je sais que vous l'adorez, donc hein, c'est un troll. La merci est un peu plus focus là, voilà, là c'est. Ah, c'est bien, au moins ça change. Tout à l'heure, ils étaient laissés tranquilles la plupart du temps, là, ça a un peu changé. Et une Anna qui combine particulièrement bien avec les Winston pour l'équipe bleue. Ah, ça oui. Promet justement de beaux échanges avec un singe sous nano boost. Ça peut faire le café. Bon, ils ont réussi à récupérer ça. Ils ont encore un bout de chemin quand même pour attraper notre équipe. Mais même contre les. Du coup, pareil, contre les tanks en général, toujours bien parce que ça baisse la vie de façon assez agréable des Anna. Et un petit slip, mais est-ce qu'ils ont été assez sages pour pas la réveiller? Pas trop. Lucie du coup de Naëlys. Il y a le Zen aussi qui rentre dedans pour compenser. Ah, le nano boost sur la Orisa. Bon, c'est pas un laps. Je ne sais pas. Ça peut super bien arroser. Ça a beaucoup de balles. Donc ça a énormément de balles. Ça a quand même une mitraillette de 150 balles. En tout cas, ça a l'air d'avoir fonctionné. Temps d'avancement de ces projectiles. Oui. Là, du coup, est-ce qu'ils sont loin? Non, ils ont quelques personnes sur le. Ah là là là. Il y a deux minions qui essaient de les temporiser. Mais bon, du coup, ça laisse le. Non, le reste de l'équipe qui n'est pas réussi à aller parfait. À arriver. Voilà. Mais oui, puisque Zao qui a donc tenté de faire un ultime pour essayer de casser l'avancée. Et bon, malheureusement, contre et un Macri et une Brigitte, hein, donc avec deux stuns, ça n'est pas passé du tout. Et donc, évidemment, c'était effectivement le tout début, Zao sur son payload qui a tout descendu parce que super bien tenu par. Par la fin de, par la merci qui était sur le côté, qui était laissé tranquille. Oui, ah oui, n'oublions pas d'ailleurs que ce genre de moves ne sont possibles que si vous avez un ou deux healers par derrière en train de se faire sang et eau pour essayer de vous maintenir en vie pour que vous fassiez le café. Hein, n'oublions pas le job de l'ombre, s'il vous plaît. Et du coup, on va passer sur l'équipe 1 et 3 maintenant pour le deuxième match retour. Tout à fait. Bah, écoute, mon petit Void, je vais te laisser. Je ne sais pas si vous faites un débrief après et si nous sommes conviés à débrief les games avec. Parce qu'il y a beaucoup de. Bah, écoute, tu me diras. Dans tous les cas, je te remercie et puis à une prochaine. À tout à l'heure. Burger King foot lettuce, the last with the statement, this is the lettuce you eat at Burger King. Admittedly, he had shoes on, but that's even worse.
Burger King foot lettuce. The last thing you'd want in your Burger King burger is someone's foot fungus, but as it turns out, that might be what you get. A 4chaner uploaded a photo, anonymously, to the site, showcasing his feet in a plastic bin of lettuce, with the statement, "This is the lettuce you eat at Burger King." Admittedly. Allez, dire combien de temps? Non, c'est bien. Bonjour, désolé. Bon. C'était la introduction. Bon. Alors, du coup. Très difficile. Deuxième match retour, équipe 1 contre équipe 3. Et j'ai Tarty qui est revenu. Ouais, salut tout le monde. Bon, à part, c'est un salut de chelou. Du coup, on est où? On est à Népal. Népal, du coup, c'est contrôle de points. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur Oasis. Oui. Map symétrique où faut juste faire du pourcentage. Tout à l'heure, ça a été rapide et assez expéditif. On va voir comment ça se repositionne et surtout les compositions des équipes. Parce qu'effectivement, depuis le début, on n'a pas eu beaucoup de variété au niveau compo d'équipe. Hein. À voir maintenant, du coup, si ça se diversifie maintenant. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des jackals là cette fois, c'est bien, c'est suffire. Mon main est utilisé, c'est cool. Des deux côtés, Pinky. Est-ce que Pinky fera comme tout à l'heure et ira mourir en frontline avec son chacal ou pas? Ouais, soyons pas mauvaise langue, quand même. Bon, ça commence. On a. Du coup, quoi? On a deux tanks à gauche, on a une pharmacie. À droite, on a une pharmacie aussi. Et on a plus de chacal par contre. On doit refaire le chacal à droite pour. On s'assombra et on a Angel qui a sorti sa Tracer. Alors rentrons directement dedans. La pharmacie qui est là, elle est là. Mais les deux, les unes contre les autres, ça va être ridicule. Ça risque d'être quand même sympa. Mais surtout que du coup, il n'y a pas grand chose pour rentrer les pharmacies. On n'a pas de soldats, on n'a pas de Macri. Bon, ça fera peut-être du combat de Fatal, de Pharah, pardon. Ça peut prendre du temps, hein, tout de fait. Non, mais là, on a toujours qu'à demi nous avec son Winston qui permet de dive et bien disrupt la défense. Angel qui est mort, c'est dommage, j'ai pas pu regarder un petit peu ses tentatives. Là, je suis sur Tim Yanton qui fait le taf un peu avec son chacal. Et on a eu un ulti de pas mal de shield qui a essayé mais qui a pas réussi à faire suffisamment de dégâts, surtout avec le reste derrière. Ah, son bras, du coup. Le Q-Boy qui vient disrupt aussi. Du coup, on peut noter quand même que l'équipe rouge a un peu plus de disrupt. C'est l'équipe bleue avec les Dominus. Donc bon, ça n'a pas suffi, hein, l'équipe bleue récupère. Et oui, donc là on avait justement le combat de Pharah qui vient de se faire et Zao Kinev vient de gagner. On n'a pas les images sur le stream. Oui, je suis vraiment désolé. Bon, vous avez raté 20% du jeu. C'est pour que vous soyez concentré sur nos voix. Exactement, le plus important c'était de nous écouter. Je suis vraiment navré. Bon, du coup. si vous avez écouté, vous avez suivi un petit peu la composition de l'UCM, mais bon, attends, bon, l'ulti de Pharah. Aïe aïe aïe, juste un seul. Ouais, mais ça fait deux fois, j'ai l'impression que c'était laquelle? C'était Abiwab là? Non, c'était Zao Kinox qui vient de faire, ouais. Et donc justement, Adiweb vient de le tuer en plein ulti. Et c'était pareil du coup pour... Oui c'est ça, bon, de chaque côté à chaque fois ils arrivent à contrer quand même les ultis des Pharah. Pinky qui se fait quand même martyriser du coup par la Pharah. Ah, il essaye de contourner, il essaye mais... Ouais non, là ça passe moyen. Est-ce qu'il reste avec du coup... Si, il reste avec son bras quand même. Ah mais la pharmacie là... Pour l'instant les rouges n'ont pas réussi à récupérer le temps du tout. Combat de Pharah, attention. Et merci Ah non. Il y a Cici, Angel qui a essayé.
il est passé sur le côté à son ulti, mais il a quand même fait un kill, hein. Il a fait tomber la Zarya, ce qui est quand même très pratique. Ah, on avait le kill du coup à D-Wab. Contrer l'ulti de Monsieur Papier qui a complètement été contré par la Brigitte. Ouh, la Zarya là, c'était assez fatal. Est-ce que... Eh oui, non, là ça va être compliqué les rôles. Là c'est fini, je pense. On a encore en overtime, mais bon, oui, non, ça tient pas. Est-ce qu'il y en a qui sont proches? Oui, il y a Angel qui temporise du coup avec. Il est assez, assez énervant avec sa tresseur là. Il... Ah bah oui, non, mais il saute partout. Ouais. Ah oui, non, il y a quelqu'un qui a quitté le point, il y avait personne. Et du coup, la fin de l'overtime. Bon, mais encore une fois, la contrôle de points a été assez expéditive. On va voir le deuxième round. Mais pas de capture du tout pour les dispo, quoi. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Oui. On a un chopper sur MP par 2, ouais, ça. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres changements? On a une diva avec des mix. Ah si, non, elle était là avant. Oui, il y a Pinky qui a lâché sa Sombra et qui reprend son Jackal. Alors voyons ça, on a... finalement il a relâché son Chopper et il est reparti sur... il est parti sur un Reinhardt. En même temps pour ce point, effectivement, ça peut être intéressant. Étonné qu'il n'y ait pas d'Orisa d'ailleurs. Ah, ils vont pas sur le côté, ils vont direct sur le point. Alors on a une combat de Pharah, ça va être ridicule. Il y a eu une touche, mais bon, avec les pharmacies là, ça suffit pas. Voyons ce que font les équipes au sol. Les rouges essayent de choper le point. Ah, recombat de Pharah. Ouais, mais pendant ils savent plus quoi faire. Il y a Kado qui vient chercher encore une fois avec son Winston, il le fait très bien ça. Mais bon, du coup, les rouges ont récupéré, ont réussi à choper le point. Ah, ils arrivent à garder. La merci. Ils ont perdu leur merci. Il a fait tomber l'autre merci, quoi. Merci d'ailleurs, c'est Angel qui est passé avec une merci. Ouais. Et les bleus ont récupéré le point. Oh, jolie récupération. Est-ce que les rouges vont réussir à récupérer? Angel DPS, quoi. Recombat de Pharah, ils se font chier. Ils vont croire, hein, généralement, c'est très long. Mais par contre, Zao a son ulti. S'il y a un shield qui tombe, il pourra être assez dégueulasse. Non, pour l'instant, il essaie de faire tomber l'autre pharmacie. Oh là là. Il a choisi de faire tomber la pharmacie avec son ulti. Ouais. Et il a réussi à avoir Angel. Donc, pharmacie tombée côté rouge. Maintenant, après, il peut se rabattre sur le point et... Mais bon, on a que du temps là sur le point. Ouais, bon. Ça va pas trop le faire, hein. Ils auront le temps de se mettre à l'abri? Non, pas tous. Mr. Paper a pas réussi. Ouais, du coup, les rouges ont encore le point, donc tant que ça conteste, ça conteste. Ah, c'est vrai que... Même s'il y a des kills côté bleu, ils le tiennent. Ouais, bah, pour l'instant, c'est... Malgré que ça conteste, ils ont pas réussi, les bleus ont pas réussi à récupérer complètement le point. Ah, pas très réussi le... L'ulti un peu gâché, ouais, de Reinhardt. Ah bah dommage, mais parce que bon, il y a personne à ce moment-là. L'ulti, est-ce qu'il va caler l'ulti Zao là? Non, ouais, parce qu'il a pas osé. Pinky qui essaie de faire chier la Pharah. Mais... Ah, il a réussi. Il a réussi, c'est magique. De vie, mais il a réussi. Ah, on a un ulti de Zarya qui est prêt. Donc là ils s'attendent, ils sont bien regroupés. Ils sont attendus, hein, sans surprise. Je suis étonné d'ailleurs que l'équipe rouge n'ait pas attendu plus proche. Ah bah oui, avec les Zarya là. Mais bon. L'ulti du soldat, il pourrait faire tomber pas mal.
Il a pu faire quand même pas mal mal, mais les soins étaient là. Ça meurt pas du tout la Brigitte. Elle reste sur le pont. Non, mais la Brigitte en ulti. Eh oui, non, les rouges ont réussi à remonter, donc on va avoir un troisième match. Ah yes, fois. Ça va être beau. À l'intérieur en plus. Ah oui. Alors là, si on n'a pas des Lucio et des chacals, des chacos. Alors voyons si on a des changements de perso. Est-ce qu'on a des changements? Oui, on a Winston qui vient sur Monsieur Papier. Ouais. Pour sauter, mais aucun Lucio, aucune Orisa. S'il arrive à gérer son faucheur, ça peut faire mal. Mmh. Zao Equinox. S'il a contourné, t'étais là pour faire un trouble, mais... Comment? Oui, s'il arrive à contourner du côté faucheur pour oui. Devenir un mal oui. Sur les côtés. Ou même en dessous le shield, ça fait bien comme mal quand même. Monsieur Papier qui est déjà sur le point, même s'il est pas déverrouillé, du coup c'est... Ah oui, mais il veut le prendre jusqu'au bout. Bon, voilà, le point vient de s'ouvrir. Tout le monde est dessus, du coup. Mais bon, là, avec les merci, font du taf. Ouais, là, Lunala qui lutte un petit peu. Ouh là là. Failli ne pas pouvoir ressortir là. Non. Ah oui, c'est bon. Et c'est fini. Ça, je laisse. Oh non, si. Oh, très bien non. Rattrapé. Très bien rattrapé. Le bon réflexe de la part de Zao. Et le reset. C'est dommage, hein, ça aurait été très drôle. Ah, Monsieur Patino qui n'attend pas et qui dive pour empêcher effectivement un repositionnement. Ah, mais face du coup à Zao. C'est fait ouvrir. Et donc, Pinky Boy un petit peu. Non. Ah oui, non. Zao est très bon là avec son Reaper. Oui, je ne le vois pas. Ah oui, en effet, il fait mal. Ah, la Brigitte. Il a son ulti qui est dispo. On a dit, il a pas mal de domination. Il descend bien les tanks. Et là, on voit que par contre, les bleus pour défendre se repositionnent aux portes. Les rouges essaient de contourner du coup sur le côté. Mais ils sont attendus. Il y a le chacal qui est là. Ça s'entend. Hein. Ouais, mais ça arrive quand même assez souvent en partie que les gens oublient que c'est le côté. Et du coup, ça se tient bien là pour l'instant. Zao qui a encore son ulti en plus. Mais oui, on sent qu'il a envie de le sortir. Ah, ben là, ici. Ah oui, mais non. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il l'a gardé du coup. En plus, il est raz. Ah si. Là, il peut arriver derrière, faire tomber Angel. Ah oui, mais non. C'est... Allez hop. Chacal, c'est parti. Ah oui. Le combo. Oui. Voilà. Joli. Ah, il y a Pinky qui était encore là, mais bon, là, seul dans le couloir, il devrait pas pouvoir tenir très longtemps. Ah, donc là, les bleus ont bien gardé le point. On n'est plus que 10%. Effectivement, ça va reset un petit peu leur attaque. Ouais, non, là, c'est le dernier push. Du soldat, mais bon. Eh ouais, mais face à un Winston, ça suffit pas de du soldat. Il essaie de le faire tomber, mais il devrait viser d'abord les merci. Allez. Allez Zao qui a encore fondu. Il a abandonné Zao. Il le danse quand même, il a envie de le danser. Bah oui, bah là, ils ont pas d'ulti, ils sont en overtime. Il y a pas mal de soins, oh, mais il a réussi à faire tomber le... Ça résiste quand même sur le point. Ouais, ils ont réussi à le choper là. Et ils l'ont chopé. Mais bon, 99 à 0. Ça va falloir tenir ça. Ah, ça peut toujours faire un 99-99 et, ouais. Et la fin est tragique ouais, en général. Vrai, là, ils sont en train du coup de préparer leur attaque.
Il y a des ultis de près, il y en a deux. Il y a celui du chacal en face aussi. Ah, il vient de lâcher d'ailleurs pour essayer de disrupt, qu'est-ce que ça va passer. Il tue le chacal et le chacal se venge. Clairement, mais du coup il a fait tomber Zao, qui était quand même leur vraiment... Oui, mais il était grâce quand même par merci. Ouf. C'est pas loin pour tuer quand même. Une ulti de tuc. Et ils vont reprendre le point. Ouais, ça a l'air bien parti quand même là. Et ça conteste pas, si. Angel qui a essayé mais qui s'est fait bump à l'autre bout du monde. Et alors là du coup... Et là y'a personne. Eh oui non, ils étaient trop loin. Ça conclut du coup le deuxième match retour et un POTG pour évidemment Zao avec son Reaper. Regarde ça. Ça vient de se passer. Ah oui là. Ah oui, forcément. En très belle action de Zao avec son Reaper. Bon, et du coup on va passer sur notre troisième match retour avec l'équipe 2 et 3. Oui, moi c'était mon dernier comment. C'est ça, bah, peut-être coup, à tout à l'heure pour débrief. Ouais, peut-être à tout à l'heure, et puis malgré que tu ne renvoies pas de valeur de retour, eh bien je t'aime bien quand même, Void. C'est gentil, merci. Allez, bisous. Dev, c'est cool. Allez, à plus. Salut.
trop. Et nous revoilà du coup pour le dernier match. Équipe 1 contre équipe 3, donc dernier match retour. Pour l'instant, on a 2 points pour l'équipe 1, 2 points pour l'équipe 2 et 1 point du coup pour l'équipe 3. Donc tout se joue maintenant. Pour une victoire éventuelle. Et du coup, on est sur la map de Rado. Yes. Toujours la compo basique Zaza sur Pharah. Ah par contre, c'était Anaïli sur Merci, là c'est Fingsou maintenant. Okay. On va voir ça, quand tu n'es pas composé, j'ai pas encore pris la musique, ça va aider, voilà. Alors du coup, la compo, équipe rouge. On a une Orisa, très bien, pour le payload. On a toujours encore Merci et Brigitte. Pinky ouais. Qui a récupéré sa Sombra. Abby qui a sorti le Reaper. Et des mix sur Diva. Ah, il y a un bug dans le chat. Faut relancer bug de souris chez moi. Ah ah ah. Quand je vois. Bon, petit bug technique, ils vont devoir reboot la partie. Ah, il y a Arketan qui veut ton autographe, Zao. Alors du coup, comment ils font? Est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils vont lancer? C'est déroulé ce souris. Et du coup, on va relancer la game. Bon, c'est un faux départ. Et c'est quand même mieux que tout à l'heure qu'il ratait le début, hein, donc là au moins. Par contre, Jack Horton, on l'a déjà fait, il y a une erreur, je crois. Oui. Bah, c'est parce qu'il est en train de récupérer les trucs. De toute façon, là. Okay. On va attendre que tout le monde revienne, à mon avis. Ouais, c'est bon, on repart, a priori, tout le monde est là. Et donc, c'est bon, a priori, tout le monde est revenu et. Un problème de souris. Pour aller là. Bon. A priori, ça n'a pas changé les compos. On a perdu un heal. Dans... Du coup, on a plus que deux heals. Waouh, ça change. En tout cas, il n'y a pas eu une seule game sans merci. De mémoire. Merci Arketan. Je ferai des autographes plus tard. Attackers incoming in 30 seconds. Il y a des gens qui se battent pour toi dans le chat. Hein. Ah ouais. Il y a Angèle qui a switché sur Zenyatta au lieu de Merci. Oh. Il y a une partie sans. Alors du coup. Ouais bon, classiquement, façon ici, ça avance assez rapidement généralement. Ça devrait ralentir au niveau d'ici, c'est ça, la défense classique en haut. Bon, là, on a et la Pharah qui tombe sous les coups de Brigitte. Ah, sur Brigitte en plus. Ouais, surprenant. Ouais, mais elle a tenté de tromper. Bon, avec le film, forcément, qui tient bien là. Château d'eau qui meurt. La Pharah qui met une pression. Comme d'hab, cette fameuse pression dans les airs. Et Reaper qui fait un beau carnage là et qui va mourir, j'imagine. Ah oui, oui, non, là effectivement.
Farah toujours libre. Hein. Ah, Orissa qui est la focus oui, peut-être. Là, oui, un petit peu, bah, parce qu'il y avait plus grand monde, mais du coup. Ah, là, il était fini par le soldat. Par son bras. Son bras ? Ouais, c'est son bras. Ah, il est bleu. Et qui bleu, qui est. Ah, et pour l'instant inférieur, contrairement à Adam Oasis. Hein. Oui, effectivement, là, la. C'est un peu plus dispersé. Là, on faut dire que. Son bras va être bien plus utile ici que dans Oasis. Je sais pas s'il avait, il avait son bras dans. Il a. Non, je m'en rappelle plus. Je dis ça, mais je suis même pas sûr en fait. Ouais, là, y a Angel qui fait chier un peu la Pharah. Hein. Mais attends, là, je pense qu'ils ont compris, qu'il fallait focus la Pharah. Depuis après, le temps. Avec Zen, ah. C'est un peu plus compliqué parce que la visée, il faut calculer la vitesse du projectile quand même. Le truc, c'est que Zen est super fort avec ses Discord sur Pharah. C'est. Non, quand c'est ouais. Angel qui transcende. Ah, ça push bien pour l'instant. Il y a Angel qui traite bien là, merci en face, qui est low HP mais qui se régénère grâce à son passif. Il y a Pharah qui tente. Il y a son ulti prêt, hein, mais bon, c'est pas compliqué parce que. Il y a pas assez de campagne sur les routes. C'est bon. Il y a 4 outils de chaque côté. Mecha de Anaïs qui va tomber peut-être ? Non. Il y a toujours. Ah là par contre le hack de Zaza, fatal. L'ulti Dripper qui. Magnifique ulti Dripper. Très joli, en plus avec Pinky Boy qui avait lancé son ulti également pour counter tous les autres. C'est-à-dire que l'équipe rouge a claqué tout leur ulti. Il en reste encore 2 à l'équipe bleue. Bonne pression, ouais. On voit la Pharah qu'on voit. Ah là, le payload a quasiment pas été arrêté, hein, à part sur la plage. Ouais. Zaza qui se fait trade. L'équipe rouge pour l'instant qui se fait plaisir. Hein. Ah oui, la priori. Ah, bon, Zaza qui est tombé par la D-Wab dans le couloir en même temps. Je serais lui, je changerais parce que Pharah ici, c'est un peu isolé. Ouais, bon, il y a de la hauteur, hein, donc tu peux, mais. Le problème, c'est qu'il faut que. Le truc, c'est que. Ouais, Diva Orissa, ça. Bon, il faut que j'utilise un ulti quand même. Dommage. L'équipe proche qui progresse bien en tout cas. Ouais, non, c'est. Ça reste pas ça. L'ulti de Zaza contré par la transcendance. Bah oui, complètement. Il y a Shadow qui a. Il y a son ulti, mais avec le shield. Ah, si. I know. Il avait peur, il a pas attendu jusqu'au bout, ouais. Il avait peur que Papier se cache derrière le shield. Et Pinky qui se fait cancel par la grenade. Ah oui, là. Il se regroupe un peu, là, du coup, pour reset le push. Ça y est, le premier stop. Bon, ils attendent du coup, ils ont deux ultis, la Diva et le Winston qui sont prêts. Visiblement, ça passe par les escaliers sur le côté. Ouais, c'est ça. Ça split en passant par le haut et en passant par le bas. Mais du coup, il y a Winston qui a sorti son ulti pour dégager un peu le couloir. Ah, Winston qui traîne le Reaper, mais c'est fait. Ouais, bah après, c'est raide. Et voilà, avec la Orissa dans le couloir, ils sont bien positionnés. Mais après, ça arrive pas au payload. Ah oui, d'accord. Par contre, Winston ne compte le shield, rien, bref. Et Zaza, la double kill. Et le pic sur Orissa en décalé qui va être important. Ouais, là, les rouges sont un peu éparpillés, donc du coup. Il y a 4 ultis chez les rouges. Ouais, il y en a qu'un seul chez les bleus. Deux, bientôt, voilà. Ils ont récupéré la Sombra. Non, ils ont pas fait de bluff. Ouais, ça se permet de danser, dis donc. Anaïs tranquille. Bon, ça c'est typique Anaïs. Hein. Ah, elle a bien vu par contre le. Ah, elle a clairement vu Pinky Boy monter là. Ah, il y a. L'ulti Diva qui prendra 0 kill. La Pharah qui a fait la bonne occasion pour caler son ult. La transcendance, très bien. Comme tout à l'heure. On a le même truc. Un peu trop tôt son ulti à Pharah. Et qui se fait cancel par Orissa. Ah, il a pas réussi à faire tomber la.
Briggy qui a plus de kill. Faudrait push de la part des rouges, c'est bien ce qu'ils font. Ouais, ils arrivent à récupérer le truc. Mais bon, là ils sont très proches, ils ont encore remis en continu. Ouais. Ils arrivent à tenir la pression et à les intercepter. Le truc c'est qu'ils ont encore l'ulti, ils ont encore l'ulti de Briggy, ils ont tous de l'armure donc. Ouais, non, c'est là de tenir là et. Ils si meurent tous séparés. Le Dan qui essaye, s'il balance son ulti. Son ulti est peu tempo. Il faut qu'il aille sur le point là. Il va pas sur le point, voilà. Il y a eu M de Pixie. Il pense. Là, mais il est tellement repousse quoi. Ah là, il arrive pas, il essaie de les faire passer dessus, mais ça marche pas. Ça va être compliqué pour l'équipe bleue de revenir. Non, ils ont pas assez, ils ont pas assez de dégâts là. Il y a Zaza tout seul en haut. Personne ne le repère, mais il tombe. Ouais, bah, transcendance en plus. Ouais, non, là. Beau dernier teamfight. Bon, les rouges vont faire un push de malade. Ouais, franchement, très propre le push des rouges. Et là en plus avec les 3 checkpoints, donc ils ont plus dur à contrer derrière. Ah, on a une widow. Ah, ça y est, le beau jeu est présent. Ou pas du coup. Ah oui, c'est ça. Géré par le ou pas, mais... En défense en plus, c'est greedy, hein, franchement. Non, en attaque. Parce que je joue en bleu, du coup, ouais, c'est attaque, pardon. Mais oui, justement, c'est... Ah, ça peut être... Si s'y attendent pas, ça peut être fort, mais... Ouais, mais là, alors, s'ils font comme les autres, ils vont se positionner, du coup, juste à côté du pont. Là, je vois pas comment se positionner pour elle sans se faire défoncer. Je regarde la compo en face par rapport à la widow. Il y a 3 tanks, 4 tanks. Ouais, c'est ça. 4 tanks avec du shield. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ouais, ils ont fait 4 tanks et 2 heals. Avec en plus, du coup, Moira qui est une puissance de heal de malade. S'il essaye pas trop de DPS, il pourra vraiment tout le temps healer. Lucio, ouais, peut-être pour la vitesse. Ok. 2 tanks, mais du coup, bah, ils ont pas beaucoup de DPS quoi. Il y a Zaza et. Ouais, il y a Zaza qui a lâché sa Pharah pour un Reaper. Mais là, 4 tanks, ouais, ça peut être relou. Ouais. On a 2 Lucio. Bah, le Reaper, ils ont opté pour un Reaper, donc c'est pas mal. Ouais, mais 4 tanks quoi. Avec 2 heals. Ouais, bah, faut aller faire tomber. Hein. C'est difficile. Il faut les splits pour essayer de. Le truc c'est que Widow counter les tanks aussi, mais il y en a 4, il va falloir vraiment qu'elle soit solide. Surtout que c'est, ouais, c'est Diva Orisa. Ouais, ça va être vraiment compliqué. Je pense que je t'attendais pas à 4 tanks. Les arrières qui... Mais ça peut passer, ça peut passer. Pour l'instant, il bloque un peu devant là, c'est. Ouais, pour l'instant Zaza fait le taf, elle a réussi à passer derrière. Après 4 tanks, c'est vraiment qui te double parce qu'il n'y a pas beaucoup de damage du coup. Ouais, non, clairement. Le Lucio qui est en train d'avoir à la mini diva. Il y en a Elise qui tombe sous l'ulti de Moira. Ah, Reaper non, derrière, non, hein. Landon qui a raté son dash, ouais, avec le mur. Ah, oh, oh magnifique hammer down. Ah oui, non, là normalement. Ah bah très oui, propre. C'est bon. Mais Zaza il a fait un taf monstrueux derrière, personne ne le voyait. Oui non, il a réussi à passer derrière tout à l'heure. Pink qui a repris à son bras. Il va un peu green. Ils ont lâché les 4 tanks là. Pour l'instant l'équipe bleue avance aussi bien que l'équipe rouge. Zaza qui va faire chier du coup à B-Wab. Ok, il aurait fait que vous allez choper le soin et il a fait tomber le mecha. Eh oui, t'as dit Webs qui. Ouais. Zaza qui continue du coup à aller choper. Ah, Zaza il fait sa game là. Lucio qui a son ulti. Ouh. Ouais, Angel là qui l'a bien eu quoi. Reaper qui ulti. Ouais, joli. En plus, il avait le début avec le. Ah, ils avancent super bien. Et merci qui tombe, ça peut être. Important. Pour l'équipe rouge.
La Widow qui essaye de mettre des dégâts par derrière. C'est un 0% sur la Yen. Le soldat qui déloge la Widow. Zaza qui tombe, ça peut être. Faut profiter là, l'équipe rouge doit avancer. Ouais, c'est parti d'avancer. Papier qui essaye de bloquer en allant, mais. Oh, la Murdon qui fait mal quoi. Bon focus sur la Murdon de London. Oh là 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 là. Ils se mettent en position, ils récupèrent de la vie. Enfin, c'est bon. Shadow qui a son ulti dispo. Ah oui, il le fait. Hop. Ouais, mais hey, il s'est fait tomber parce qu'il était seul. Annalise qui, à mon avis, va essayer de prendre le côté. Bon, là, c'est compliqué. Elle a un peu peur. On voit qu'elle n'ose pas avancer. Elle est pas très rassurée, c'est clair. Ah, non, non, non. Il y a Angel, on a dit que. L'ulti Moira. Les rouges qui ont l'air d'engage, ça passe pour l'instant. Ouais, effectivement, ils ont réussi à repousser. Et Annelies qui prend le pic sur son bras. Il y a Lucio qui essaie de défendre du coup sa merci. Et Lucio qui se retrouve toujours confronté à Diva, j'ai l'impression. Ouh, l'empalement de Reinhardt sur Zarya qui est beau. Loki qui s'en sort de justesse. Ouh, la tête sur Moira. 5 ulti côté rouge là. Ah dommage là. Le 1v1. Ah, Widowmaker qui se fait prendre. Ah, mais le soldat qui l'a fait tomber la Widow quoi. Bah, je pense qu'il faisait confiance à la Sombra, mais les deux l'ont lâché donc elle est relibre. Oui, c'est ça. Ah, là pour l'instant il a pas. Elle pourrait faire un carnage la Widow. Mais... Ouais, mais non. Mais non, elle est tombée. Et elle s'est pris du coup la build de la Moira. Bon, il y a encore 3 ulti côté rouge. Et pour l'instant, l'équipe bleue ouais, fait une meilleure performance que l'équipe rouge. Niveau temps. Bah, ils ont moins difficulté à avancer, mais ils arrivent quand même à avancer là. Et le Zen qui s'en sort low HP. Ultimement, il équipe rouge. Reinhardt qui risque de tomber, à mon avis. Voilà, c'est fait. Oh là là, il a Zarya qui crame la Diva. La planche à dos et qui. C'est la planche à dos avec l'ulti de Zaza, ça fait sale. Oui, contre une ligne de mire, on peut pas faire grand chose malheureusement. Ah ouais, Zaza qui est tombé face. Et l'équipe rouge qu'empêche. Un push. Du coup, qui reset maintenant. Ils s'attendent. Là, si j'ai bien, ils peuvent avoir leur combo. Ah ouais, il y a Zarya qui a son ulti dispo, ça peut faire super mal. Mais Pinky peut annuler. Voilà, c'est le premier qu'on voit. Il passe sur le côté. Ah, il se pique là. Ouh, ça joue silencieusement. Ah oui. Ah, c'est juste la position avec la porte. Zaza, très low HP. Ah, c'est peut-être raté contre le soldat. Et la Diva qui a fait un mauvais engage. Qui va se faire tomber. Ah oui, ça y est, le mecha est tombé. Ah, et Lucio qui mure du son seulement pour deux personnes de son équipe, c'est dommage. Et la Murdon. Ouh, le dodge de Lucio. Angel qui a pas réussi à faire tomber la merci avant le res. C'est Zaza qui se fait res, qui force coup, la transcendance. Et l'ulti Zarya. Dans le couloir. Toujours à tout de... Et Zaza qui. Et Zaza qui. Eh non, il s'en sort pas. Et l'équipe rouge qui empêche le push encore une fois. Ah non, ils tiennent bien là. Ouais, ça tient. Bon, on voit que c'est vraiment à ce stade là de la map que les équipes galèrent. Il est tellement serré et tout que. En même temps, ils ont qu'un heal principal. Lucio est trop doux là face. Ouais. En phase, donc du coup ça suffit pas à tenir. Ah, et ça repart sur une phare à merci, hein. J'ai l'impression. Il a lâché sa vidéo et c'est parti sur une diva. Sur une diva. Les minutes de jeu restantes. Oui, Zaza qui tombe.
Sandra qui fait un bon focus hein, sur la Pharah depuis le début de cette game, franchement. J'ai le petit diva qui est envoyé. Si elle vole plus après la Pharah. Allez. Et lui. Est... Allez, suivi du coup par après le cadet. La ligne de mire qui fait un carnage hein, forcément quand il n'y a plus de spell pour se défendre. Hein. C'est free kill. Pour l'instant, le petit proof qui tient. Qui fait... Ouais, non, ça tient là, 20 secondes. 20 secondes restant. Encore 2 morts. Ouais, non, mais ah, oh là là, ça fait mal. Ça fait super mal pour l'équipe bleue. Ah, mais ça raise. Ah, mais du coup, ça use le raise. Ouais, et... Ce pic là, il aurait jamais dû être pris. Ça va vite là, Cici, il y a le Winston qui. Il y a Sombra derrière, j'ai cru entendre Sombra derrière, merci, mais allez, c'est tout. La prend de Angèle. Forcément, la bombe de Diva. Le Moira qui tombe, c'est difficile pour l'équipe rouge. Eh non, là, ça arrive à bien récupérer là. Ouais, ça récupère. Ah, bah oui, parce qu'il est resté que des squishies. Ah là là, Winston qui fait vraiment. Ça fait super mal sur Steamfight. Est-ce que la Moira, mais du coup il y a bien Zaza. Ça va être difficile de revenir honnêtement. Ouais, si arrive. Temporisé avec le soin, mais ça suffit pas. Ils ont trop de dégâts. En plus, elle n'est pas restée dans l'axe de soin. La charge de Reinhardt qui est stoppée par Winston, j'ai l'impression, mais qui est toujours sur le terrain. Qui a réussi à aller dessus. Oh la Murdon qui peut changer le cours peut-être. L'outil de l'outil Brigitte qui va faire. Ah ouais, l'outil Brigitte qui va reprendre les Steamfight honnêtement. Oui, c'est dégueulasse ça. Ici Diva qui bon c'est une personne mais qui force à se cacher. Ah encore une chance. Ah oui. Bon remonté d'équipe bleue, franchement. Belle remontée. Et voilà, donc c'est une égalité, on a donc un troisième match pour pouvoir délimiter avec une différence quand même d'une minute. Une minute de différence. C'est la seule map qu'on voit qui. Où les deux équipes prennent les deux points. Ah oui, celle-là. Oui, c'est vrai. Et alors, du coup, ça switch un petit peu. Du coup, qui attaque, qui défend. Ok, l'équipe. Bleu qui va attaquer. Il y a Annelise qui repart sur une merci, son pic de confort. C'est les mêmes, ouais, c'est les mêmes même compos. Hein. Bah, Annelise est partie sur sa merci. Ouais. On a un Torbjörn. Oh non. Le manque de respect total. Il le prend vraiment ou... Bah écoute, pour l'instant, il l'a. Ça peut marcher en vrai, franchement. Ouais. Mais... Ah, mais... C'est greedy, hein. Bien géré, oui. Mais après, ils ont pas de shield. Contre, enfin, je veux dire, fixe, quoi. Pinky qui a sorti son chacal. Côté bleu, ça change pas trop, du coup. Enfin, ça change pas trop. Mais là, l'équipe bleue n'a qu'une minute hein, pour prendre le... Ouais. Plus de distance, l'équipe rouge en a deux. Pour ça, Donc en vrai, ça peut être intelligent le Torbjörn. Ça peut vraiment les faire chier. Oui, il s'est positionné. Ah, j'ai pas vu sa tourelle encore. Ouais, j'ai pas vu. Faut que je vois aussi. Je peux aller. Si, il a positionné dans le coin. Ah, juste pour faire mal après, il va la remettre quelque part. Juste pour les ralentir parce que du coup, ils ont des shields, mais ils sont attaqués sur le côté. Non, franchement, j'avais pas vu le temps. Ouais, ça peut être une bonne idée. Hein. Zaza qui a bien nettoyé le couloir là. Oh, Zaza qui prend deux piques, ça fait mal. Ah oui, en plus du coup, la... Brigitte qui prend une bonne. Ouais, qui tombe à son état. Kinky qui descend. Ah ouais, non, là c'est. Ah là, c'est un carnage. Ah non, ils ont bien géré. Le Torbjörn n'a pas été assez efficace. Il garde son Torbjörn. Lazaria qui est toute seule, faut la tuer. Eh non, pour l'instant, elle survit. Et ça chase pas, ça reste pas greedy, c'est bien. Allez, ils font tomber la Zarya presque. Ouais, la Zarya va tomber, j'imagine. Parce qu'elle reste par Brigitte, mais je pense que c'est. Oh là là, elle reste en vie. Et la Diva qui tombe. Diva qui tombe alors qu'elle avait largement le dessus au début. Eh ben oui, mais avec la merci du coup. Ah ouais. Ça peut finir maintenant, honnêtement, mais il y a Zaza qui fait encore le café. Hein. Et le Macri qui prend un kill. Le petit Diva, qui prend pas de kill. Ah là, il tombe là-dessus. Oh non, le petit Zarya était trop pour moi. Elle aurait dû le garder. Grosse erreur de la part de l'équipe rouge. La Torbjörn qui envole le corps. Oui, bah oui, il a sorti son truc.
Oh, la merde qui est tombée juste pour Angèle. Ouais, 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 clairement. Je crois qu'il a dit comme t'avec ton torb. Ouh, il y a le l'outil de torb. Petit Junkrat qui peut être important. Ouh, ça prend 2 kills. Faut qu'ils aillent maintenant, mais. Oh, Zaza qui tombe sous les coups de torpille. Ah, bah oui. Il prend quand même les 2 kills sur 2 supports, donc. Ah oui. Il se fait raise en plus, je crois. Ah oui, bah lui, il est très bien là. Ah, Zaza, il gère bien. Parce que là, dans tous les cas, en plus, sa tourelle, elle va juste avancer tout le temps le shield, donc du coup. Ça fait mal en plus, à côté, il y a le Junkrat. La tourelle qui tombe. Sous les coups de merci. Le agneau de Chatlo qui va rien faire. Et la forêt, j'ai l'impression qu'il est relibre. Hein. Ah ouais, non, pas de soucis là. Ça m'occupe pas trop. Ah ouais, non, non. Oh, ouais. Merci, il meurt. Pas grand chose, je veux dire. C'est quoi, c'est, ouais. C'est Angèle qui va sur la farce, on va dire, mais. Ouais, c'est compliqué avec un Torbjörn, honnêtement. Ouais, non, vu l'axe des projectiles, c'est sûr. Ouais, donc là ils arrivent au deuxième. Ah, ça push super bien. Ouais, la brigade qui tombe. Ah, la boule de soin ratée, clairement dit sur les escaliers. Ouh, Wabi Wab, on fait cher. Mais bon, heureusement que c'est une. Franchement, c'est fort, hein. C'est fort de prendre le 3ème point en overtime. Ah, ça serait beau. Et il a plus de soin là, du coup. Ah, ils tombent tous un par un. C'est ça qui les fait chier à la sortie de la base. Ah ouais, vraiment. En plus, il est chine par la Brigitte. Macri qui tombe et Junkrat qui est tout seul derrière, il peut largement se faire pique. Bon, Zaza tombe. L'ulti Diva qui fera rien. Ah, du coup, il y a un. Oula, il pisse Angèle qui molten core. Il a vraiment gardé son parpaing jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, mais en même temps, ouais, la Diva est tombée direct. Ça peut être fort, mais le truc, il y a Pharah et. Ouais, mais elle était tombée tout à l'heure. Ouh, jolie tête de la part de Shadow. Il a pété le Jackal en l'air, quoi. Et le Zidzaria, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, du coup, ils étaient occupés à cause de Shadow et de son ulti. Ils ont pas fait gaffe à Zaza. Oh, le Jeep Brigitte qui. Pourquoi Brigitte sans. Oh. Si Zaza se fait raise. La Murdon. Ah, le cadet. Mais du coup, ouais, ils ont préféré finir. Oh là là, ça tente. Oh, mais. Ils veulent pas lâcher la. Ouais, non, mais là, il faut faire tellement de dégâts. En plus, avec le Jackal. Le Junkrat et tout. Ah, il y a toujours le Torbjörn, hein. Il leur a dit celui qui fait un Reaper ou quelque chose. Je sais pas pourquoi il y a toujours Torbjörn. C'est le non-respect jusqu'au bout. Ah, ouais, là. Ça tient, mais il y a plus grand monde quand même. Ça vient même l'équipe rouge, ouais, mais. Voilà. Ils t'ont fait que subir, malheureusement. Ouais, donc là, c'est ouf, hein. Ils avaient moins de temps, ils ont quand même réussi à récupérer. Donc là, ouais. Pression quand même pour l'autre équipe. Et une partie n'est jamais finie, ça peut se faire, franchement. Ah, vu comment ils ont poché tout à l'heure. Alors, là il est très sur sa merci. Ouais, une compo qu'on a déjà vu, hein. Il reste sur ce qu'ils aiment. Ouais, ça reste sur leur pic de confort. Non, effectivement, c'était que de l'overtime. Ouais. Pour tout à l'heure. Attackers incoming in 30 seconds. Alors, du coup, en attaque, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sortent Orisa. Il n'y a pas de merci, ils sont que sur Angel et enfin sur Zenyatta et Omega. Pinky qui reprend son bras. Pour moi, il disrupte la défense. Ouais, ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Zaza qui les attend à un endroit
moins conventionnel. Ça va faire chier de côté, j'imagine. Il y a Pinky qui flanque avec sa Sombra qui va passer derrière, qui va essayer de hack un Reinhardt, je pense. Ce serait le choix le plus. Il y a déjà le soin. Plus possible. Il hack le pack de soins. Ouais, Zaza qui c'est quand même un peu. Annie qui se retrouve sur Sombra. Ah, il va essayer à mon avis de se faire. Ah non, mais il lag une Zarya. Ouais. Et Zaza qui tombe, hein, sous Orisa. Ah oui. Ouh, l'empalement, mais il se fait punir par son grid. Et l'équipe, voilà, l'équipe rouge qui push, hein. Ouais, bah ouais, non, ils ont pas. Ils défoncent à ta tête. Ouais, allez, là, il faut faire tort. Là, ils font tomber les supports. Ouais. Il y a Zaza qui revient à la charge maintenant. Qui va faire tomber Angèle, peut-être. Et non, il s'en sort. Et Zaza, c'est Zaza qui tombe d'ailleurs. Ah, bah oui, mais là, du coup, ils ont compris que les merdes des Pharah, fallait pas les laisser, quoi. Elle se fait bien confus. Et là, c'est vrai, il y a les divas qui vient faire chez devant, derrière. Ouais. Les attaques à Arras de loin et qui. Du coup, Zazak a abandonné sa Pharah sur un Reaper. Il n'y a pas eu d'autre switch, je crois, non. Non, peut-être. Ouais, du coup, là, il va peut-être faire. Faire tomber la diva, vous voyez, voilà. Le Zenat vient qui a un HP. Il s'en sort. Oui, il Moira. La Inun de Macri qui fait tomber la Zarya, la Orisa à 1 HP, voilà, qui tombe maintenant. La Merdone sous la transcendance. Ah bah ouais, mais du coup ça compte bien. Il y a quand même Diva qui est morte sous la trans, tellement qu'elle s'est pris un gros burst par Reinhardt et Zarya. Quand même. Et ça empêche un push, bah pour moi c'est. Ouais, c'est gagné. 6 secondes, paraît compliqué. Hein. Ouais, l'équipe bleue qui. L'équipe bleue qui remporte. Hein. A priori. Eh, oui. C'est déjà l'équipe bleue. Belle game en tout cas. Ouais, équipe bleue du coup, c'est quelle équipe? C'est l'équipe 2. Donc c'est l'équipe 2 qui gagne? C'est ça. Ça fait 2-1-3. C'est ça. Ah bah du coup, j'imagine avec son Reaper, ah bah oui, carrément. Ah bah oui, ça s'est réalisé tout à l'heure. C'était effectivement un très bel ulti. Bon bah du coup, je vais aller voir effectivement pour les équipes, certaines personnes des équipes montent. Pour faire un débrief. Ouais. Je sais pas qui était leader des équipes. Et bienvenue. Salut. Bonjour. Yo. Bonsoir. Bonsoir. Et donc c'est une victoire de l'équipe 2. Bien ça? Oui. Bah oui. On a gagné quoi? On a gagné quoi? Super, il faut négocier ça avec les fans, ce qu'ils sont prêts à offrir. Attendez, je reviens. Je passe une info, je vais à Paris demain. De Jean de Rennes, voilà. Je. Alors, on beaucoup de moi dans quelqu'un veut faire un cadeau. Bon, mais c'était quand même tendu jusqu'au dernier match, puisque c'est le seul qui a différencié les équipes. Oui. Ouais, enfin. C'est qui jouait Reinhardt juste avant? C'est moi. C'est Darty? Eh bien, meurs. sur quel side? Parce qu'à un moment donné, je l'ai joué aussi. Non, mais là, la dernière, c'est juste à la fin. C'était Fixou, le Reinhardt. Ah, Fixou, oui, ça. Tu as fait pleurer mes alliés, j'aime pas ça. Moi, c'est. Je te préviens, si tu le refais. En tout cas, Karim, très bonne Sombra. Merci. Oui. Tu jouais Sombra? Oui. Il a pas mal alterné. Bah, si tu l'as pas repéré, c'est que c'était une bonne Sombra. Je l'ai un peu emmerdé avec mon Macri, je pense. Ça a été le cas. Les petites grenades. J'aimerais quand même noter de façon générale qu'il y avait moyennement de diversité dans les persos, hein, entre quand même souvent les mêmes. Tu parles pas comme cette diva, s'il te plaît.
c'est un peu obligé. Ça va, je jouais quand même Brigitte, Lucio, Tressard, Ange, Zen, Torbjorn. Le manque de respect total, quoi. J'avoue. Alors, on a vu, il y a des gens qui ont joué Bastion. Donc, Oui, on s'est dit, allez hop, je me sens pas concerné. En même temps, du coup, c'était bien joué, hein. Sortir cette métal-là en même temps, c'est un peu obligé à chaque fois sur ce truc-là. Ça a un peu fait paniquer, mais ça a bien été contré après, hein, une fois... Je note aussi qu'il y a eu genre 3 Pharah, et c'était les 3 contre nous. Genre, je sais pas ce que vous avez, mais... Vous êtes passé le mot assez bas, Pharah. Non mais au début, en même temps, elles étaient pas très contrées. À la fin, ouais, après les le dernier match, hein. Zaza, tu fais pourrir. Ah oui, oui, avec la Sombra, ouais, elle était horrible, celle-là. Merci. Mais il a fait exprès. Oui. Bah, c'était le but. Et tu tombais comme une pierre. Bah, vu qu'ils ont modifié ça, effectivement, c'est fatal. Bon, je sais pas vous, mais quand même, je trouve que les trois équipes étaient vachement bien équilibrées. Oui. Bah, c'est ce qu'on a vu au niveau du score, hein, puisque jusque dernier match, il y avait une possibilité d'égalité. Moi, je trouve que quand même, Aquaria, il a vachement baissé le niveau de notre équipe. Moi je suis pas d'accord, au contraire. Ah putain. Zen il a été au top, moi j'aurais dit c'est plutôt Adam, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire à quoi il a su faire ce qu'il sait faire de mieux, hein, sucer comme d'hab. Mais est-ce que vous avez une image? Attention, on est sur Twitch. Pardon. On va se faire un ban à cause de toi, Golem. Bravo. Non mais avec Moira et Moira. Oui, Moira, voilà. Oui. Mais j'ai pris Brigitte à un moment, tu peux demander à Tuc s'il est là. Alors écoute-moi bien, toi. Tu laisses ma Brigitte tranquille, elle est à moi. Voilà. Tuc. Oui, Angèle. T'as aimé ton petit ulti à la fin? Ah, écoute, je m'en rappelle déjà plus. Je t'ai OS juste avant. Quand t'as eu ma crise. Je m'en fous parce que j'ai eu Xel sur son ulti avec Moira, je l'ai stun. Et par contre, après, il a compris le truc et il m'a fait pareil tout le long. Voilà. Oui. Non, mais en tout cas, c'était à la fois très bien équilibré, mais en plus, on s'est marré parce que c'est ce qu'on se disait en groupe, c'est qu'on se tape dessus les uns les autres. Et voilà, c'est vachement rigolo. Parce qu'on se connaît pas tous, mais on connaît des joueurs dans chaque équipe. On se connaît pas tous et maintenant on se déteste. C'est beau, hein. Non, mais il y a des gens qu'on connaît, on préférerait ne pas les connaître. Mais on savait tous, par exemple, que Karim prendrait forcément sa Sombra à un moment donné ou un autre. Tarty avec son... C'est vrai, parce que les gens qui me connaissaient, ils se doutaient pas du perso que j'allais jouer principalement. Donc. Tarty, on savait qu'il allait prendre sa Pharah. Non, c'est bon, là, je switch un peu sur Faucheur en ce moment. On a vu, c'était plutôt bien géré. Merci, merci. Ah, par contre, Karim, tu m'as fait mal un petit peu avec ton Junkrat, c'était sur Oasis. Ouais. Voir, mais t'allais te jeter devant, quoi. Désolé. Bah, t'as switché après. C'est la faute de la map. Ce n'est que... C'est pas ma faute, c'est la map. La bonne réponse. Bon, donc reste plus qu'à regarder de nouveau le stream en replay, c'est ça? Exactement. Alors, je connais pas les délais pour qu'il passe sur YouTube. De toute façon, là, il sera dès la fin, il sera disponible normalement comme d'hab. Ouais. Vous serez tolérant avec les quelques petites erreurs, que ça soit de son ou d'image. Ou de souris. Oui, au début. On a vu ça au début. Ah, c'était encore des parties avec l'équipe 1, ça. Voilà, vous avez pas voulu nous filmer correctement. Merci. Ah, alors que j'avais tout un fan club en plus, hein. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, moi, les gens. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Je sais qu'il a trop pris la grosse tête, il se transforme en cracotte. Oh là là. Non, c'est biscotte, vu l'historique qu'on a dans le... Alors, on ne va pas aller sur ce ménage. Il n'y a pas de post-prod, je ne peux pas bipper des passages. Ah. Ça reste du petit déjeuner. Vous voulez pas jouer au jeu de la bip? De la biscotte? Non, la bip. Le jeu de la biscotte. De la biscotte. La bip. La bip, Scott. La bip, Scott, mon dieu. Secours. Voilà. Merci d'avoir joué.
C'était... Merci d'avoir commenté. Maintenant, du coup, on va pour les plus beaux skins. Ah, je suis d'accord. Alors, l'équipe 1 était tout en bleu. Sachez-le. C'est pas un pay to win. Hein, Bon, du coup, effectivement, pour clore le stream et pour vous laisser unwind et commencer à faire des sorties verbales que je n'aurais plus à modérer. merci pour avoir joué. C'était une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Big up à Cadeau qui a tout organisé. Bien joué à tout le monde. Bravo à Cadeau. C'est sur la route. Tout le monde, hein. Effectivement. Thank you for playing Overwatch.